Bien, je vous propose de commencer ce conseil communal. Et donc, on va devoir excuser certaines personnes, entre autres le président Cédric Dumonceau. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais présider. J'ai retenu l'absence de Nicolas Van Hormaren, de Isabelle Joachim. Pour les autres, je ne sais pas. Ok, donc ils arriveront bien. Je n'ai pas de petite citation comme le fait d'ordinaire le président. Je lui laisse le privilège de ses usages et donc je ne le remplacerai pas sur la question. Mais on attendra le prochain conseil pour la prochaine citation. Bien, mais donc bonsoir à tous. On va donc commencer cette séance du conseil. Et donc, je vais commencer par les points qui me concernent. Au point 1, nous avons un point qui concerne le personnel communal et le règlement de travail avec l'annexe relative au télétravail. Les explications ont été données en commission technique et donc je vous propose, s'il n'y a pas d'intervention, de tout de suite passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Les autres sont pour. Au point 2, il s'agit d'une prolongation du bail de la maison du développement durable, une prolongation provisoire pour poursuivre les négociations. Et donc, je vous propose également d'annoncer une prise d'acte. Juste, on doit la voter ou pas? Je sais pas. Ok, c'est une prise d'acte, donc il n'y a pas besoin de la voter. Au point 3, il s'agit d'une acquisition pour une emprise en sous-sol, pour une régularisation. Il n'y a pas eu de question aussi, il y a une question. Monsieur Bidoul. Oui, merci, Madame la Bourgmestre, Madame la Présidente. Donc, je suppose que ce dédoublement des gouttages, c'est pour récupérer les eaux de pluie, ou du moins les eaux de ruissellement, pour éviter de les rejeter dans le collecteur de l'Inbewe, je suppose. Donc, ici, je sais que ce n'est qu'une convention, mais les travaux qui vont s'exécuter, ça va être à charge de qui? De la ville ou bien de l'Inbewe? Parce que si ça a référence au collecteur, il me semble que c'est l'Inbewe qui devra faire les travaux. Donc, je pose une question, c'est tout. Alors, pour la réponse, en fait, il s'agit de travaux qui sont déjà faits, qui ont été faits en 2010. Donc, c'est une régularisation administrative qui intervient maintenant. Et donc, on doit, en fait, acheter l'emprise en sous-sol. Mais c'est une affaire de 4 000 euros et ça régularise. Il n'y a pas de travaux prévus. Ils ont déjà été faits. Autant pour moi, merci. Problème. Donc, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions et il restait pour. Au point 4, ça concerne la zone de police, c'est une approbation de dépenses pour le remplacement du parc radio. On va passer au vote directement. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 et le reste est pour. Alors, je vais me permettre de présenter brièvement les points 5 et 6. Donc, ce sont des points qui concernent la zone de police. Il s'agit du compte 2021 et du budget 2023. Alors, au niveau du compte, en 3 mots, ça a été expliqué en commission technique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le compte, il est globalement bon, même s'il est un petit peu moins bon que ce qu'on avait estimé dans les MB. À l'ordinaire, l'exercice propre est en Mali de 393 000 aidés, mais les exercices antérieurs sont, eux, en boni de 1 232 000, et ça fait donc un boni budgétaire de 839 000 euros. Une partie de ce résultat de 839 000 euros a déjà été utilisée pour financer le budget 2022, pour un peu plus de 500 000 euros, et il reste donc 333 887 euros utilisables pour le budget 2023. Alors je présente dans la foulée le budget 2023. Le budget 2023 de la zone de police, il se fait dans un contexte que je pense que tout le monde a conscience de ça. Donc il y a d'une part des indexations qui ont eu lieu en 2022, il y en a eu 5. Et il y en a 3 nouvelles, en tout cas, qui étaient prévues pour 2023. Ça a été revu à 2, mais on a laissé les 3 à ce stade dans le budget de la police parce qu'on a eu l'info trop tard. Et donc ça veut dire une très très forte hausse des coûts de personnel. On a également le contexte de la crise énergétique et de la flambée générale des prix. On a un report de charges du fédéral sur le local dans toute une série de domaines, entre autres sur la police.
Et donc, ben, dans ce contexte, le budget de la police est logiquement en très forte progression. Et je rappelle, comme à chaque fois, que les coûts de la police sont constitués à plus de 90% de frais de personnel. Et donc, les indexations des salaires pèsent énormément, évidemment. Alors, les frais de personnel, mais ils augmentent de 14%. Ça inclut des chèques repas qui ont été négociés au fédéral, mais qui sont payés par les zones locales. Les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 18%. C'est principalement les conséquences des très fortes hausses des prix de l'énergie. Alors, en recette, on a prévu une augmentation de la dotation fédérale, mais c'est 8% d'augmentation et ça ne suffit évidemment pas à compenser les 14% d'augmentation au niveau du personnel et des 8% pour le fonctionnement. Et donc, il y a une nécessité d'augmenter la dotation communale, qui passe donc de 5,7 millions en 2022 à 7,8 millions en 2023. Donc il s'agit quand même d'une augmentation de 30%. Et donc, pour mieux comprendre les évolutions, et ce sur le long terme, je vous propose juste deux slides ici qui ont été réalisés avec l'aide de l'échevin du budget. Et donc le premier, il vous montre l'évolution des coûts de 2015 à 2023. Donc vous avez les coûts par fonction, donc le personnel, le fonctionnement et autres. Et donc qu'est-ce qu'on voit au niveau du personnel, en 2015 c'était 7 188, en 2023 c'est 11 313. Il y a donc une augmentation de 4 125 000, 57% si on prend en pourcentage, et tout ça sans augmentation du cadre. Donc c'est uniquement du fait de l'augmentation des indexations et des augmentations des coûts. Au niveau du fonctionnement, il était à 1 218 000 en 2015. En 2023, il est à 1 229 000. En 2022, il était à 1 036 000. Donc vous voyez qu'au niveau du fonctionnement, ça n'a pas du tout augmenté avant cette année, enfin avant l'année qui va venir. Donc c'est clairement au niveau du fonctionnement, on maîtrise réellement au niveau de la zone de police les dépenses de fonctionnement. Mais ici, comme chacun sait, et comme tout un chacun, on est confronté aux très fortes hausses des coûts de l'énergie. Et donc en 2023, il y a une augmentation qui est liée à ça. Mais vous voyez que sinon, on a vraiment été attentif à ne pas augmenter fortement le fonctionnement. Et si on passe à l'autre slide. Voilà, et donc l'autre slide montre l'évolution des sources de financement. Et donc le budget du personnel, pour rappel, donc en 2022, 9 891 000, en 2023, 11 313 000, donc vraiment une grosse augmentation, hein, les 14% dont je parlais tout à l'heure. La dotation fédérale, elle, bah, elle augmente pas de la même proportion. Elle augmente, mais à raison de 11% ici. Donc la dotation communale doit pallier à cela. Et donc la dotation communale bah, augmente de 30%. Donc voilà, c'est pour vous permettre de bien comprendre que ces évolutions, enfin ce budget qui augmente fortement au niveau de la zone de police, c'est lié à tous des facteurs sur lesquels nous n'avons finalement que peu de prise et nous sommes forcés d'augmenter cette dotation vu le contexte actuel. Voilà, je ne sais pas si ça amène des questions, je suppose. Monsieur Hautelet. Merci, Madame la Bourgmestre, pour ce court exposé, mais très bien fait. On a eu d'ailleurs une réunion avec le commissaire divisionnaire, et je vous ai déjà remercié pour cette réunion par écrit, mais je le refais encore ici, publiquement, parce que c'était très, très, très intéressant. On a appris beaucoup de choses, et notamment pour préparer nos programmes électoraux pour l'avenir, n'est-ce pas ? Il y avait quand même pas mal d'éléments là-dedans qui étaient particulièrement intéressants. Mais ici, je voudrais quand même, on va évidemment voter le budget de la zone de police. Je crois qu'il a été fait avec beaucoup de rigueur et de manière très correcte. Mais je voudrais revenir quand même aujourd'hui sur mes nombreuses interventions au moment des votes de budget de la zone de police les années précédentes. Quand je vous disais toujours attention, 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 vous maintenez la dotation communale à son niveau de 2018, si ma mémoire est bonne, et jusqu'à 2022. Mais attention, un jour ou l'autre, ça va vous retomber sur la tête et vous allez ramasser une sérieuse augmentation. Et effectivement, voilà, le jour J est arrivé, hein, puisque quand je regarde bien le budget qui nous est proposé, la dotation communale augmente de 1 700 000 euros, j'arrondis, mais
vous avez déjà, avant d'arriver à cette augmentation de la dotation, vous avez déjà consommé 330 000 euros des bonis des exercices antérieurs et les dernières provisions restantes des belles années, à savoir 782 000. Donc ça fait 1 100 000 qu'il faut ajouter, évidemment, au montant de la dotation communale. Donc pour l'année prochaine, il faut s'attendre quand même à avoir un minimum, je ne sais pas combien, moi, encore 1 100 000 à 2 millions de suppléments, encore facilement. Hein. Et donc voilà, on vous avait prévenu, on avait dit provisionnez, faites attention, il vaut mieux y aller de manière progressive, le coût est moins fort. Bon, vous ne l'avez pas voulu, aujourd'hui le coût est fort, mais il le sera encore plus, je crains, l'année prochaine. Et tout cela, malgré le fait que dans votre budget, vous ne comptez en effectif que 113 personnes au lieu des 135 du cadre. Donc vous imaginez l'évolution, le coût de la dotation communale, et pourtant on est encore à 20 équivalents temps plein en dessous du cadre organique que nous avons voté en conseil il y a quelques années. Et alors encore une remarque que je voudrais formuler, je trouve qu'il est dommage, une fois de plus, et on le dit chaque année, qu'à l'extraordinaire on ne trouve aucun investissement en matière de caméras de surveillance, puisque comme vous le savez, ces caméras ont une utilité évidente, c'est démontré un peu partout. On a entamé le débat avec le commissaire divisionnaire, je ne sais pas ce que vous allez faire, on l'a entamé en tout cas sérieusement, et on verra ce que vous allez en faire les prochaines années. En tout cas, nous restons convaincus que c'est un plus au niveau de la sécurité dans une ville comme la nôtre. Je vous remercie. Merci, mais donc je ne vais pas réagir puisque c'est un par rapport à ce que vous avez dit effectivement de nombreuses fois, on vous en a déjà amené beaucoup de nombreuses réponses par rapport à ça. Je signale juste que le contexte, et c'est vraiment pour ça que j'ai insisté largement dessus, le contexte est vraiment particulier. On a une explosion des coûts qui crée effectivement cette fois-ci la nécessité effectivement d'augmenter cette part communale parce que là, effectivement, vu ces indexations hyper nombreuses, cette augmentation du coût de l'énergie, c'était plus tenable. Jusqu'ici, le modèle a tenu. Sans ça, on aurait pu tenir sans doute encore un petit peu. Je vous confirme qu'à l'extra, il n'y a pas d'investissement pour des caméras de surveillance. Ce n'est pas prévu à ce stade-ci. On en a discuté. On a retenu de toute façon l'option d'éventuellement mettre des caméras quand il y a un problème hyper spécifique à un endroit spécifique et de façon provisoire pour une résolution de quelque chose. Ça, on n'a jamais marqué d'opposition par rapport à ça, mais pas pour une surveillance continue et quotidienne de l'espace public. Ça n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà, d'autres commentaires par rapport à cela ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'on peut voter les deux points ensemble ou... Oui, pas de souci. Donc pour les points 5 et 6, le compte 2021 et le budget 2023 de la zone de police, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions et le reste est pour. Merci beaucoup. Alors, on arrive dans toute une série de points qui concernent les assemblées générales des intercommunales. La première, c'est l'Académie intercommunale de musique, danse et arts de la parole, avec une assemblée générale fin du mois de novembre. Je cède la parole à Philippe Delvaux pour une rapide présentation. Merci. Donc, voilà, moi, en fait, je présente ce point parce que je suis président, en fait, de l'Académie de Cours-Saint-Étienne et Ottigny-Louvain-la-Neuve pour tout ce qui est musique, danse et arts de la parole. Ce qu'on on approuve à l'AG, d'abord, c'est l'approbation du rapport annuel du comité de rémunération. Je rappelle que tous les mandats sont à titre gratuit dans cette intercommunale. J'aime bien de le rappeler. On vote aussi le plan stratégique 2023-2024 qui laisse transparaître les contraintes que tout le monde connaît en termes de hausse de coûts. Nous avons mis en place un groupe de travail pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire dans les 2-3 ans qui viennent. Plusieurs points d'action ont été définis. Je remercie d'ailleurs les membres du conseil d'administration qui partagent avec moi le travail pour essayer d'améliorer les chiffres et le budget de l'Académie. On remarque en tout cas qu'il y a une hausse de fréquentation des inscriptions, ça c'est une bonne chose. Un gros problème qui apparaît à l'horizon 2026-2027, c'est qu'en fait il y a une personne statutaire sur le payroll de l'Académie et une autre qui est en pension. Et donc une fois que la personne active va prendre la pension, il y aura deux personnes en pension statutaire, zéro
active, et donc la cotisation de responsabilisation qui touche les communes touchera aussi l'Académie. La hausse de la dotation, elle est de 15% en 2023 par rapport à 2022, mais également par rapport à 2021, parce que pour le déficit de 2022, l'Académie va gérer elle-même sur ses propres deniers. Merci. Des questions par rapport à cela ? Alors, ce que je vous propose, c'est de voter tous les points ensemble, si vous voulez bien, sauf s'il y a une demande de voter séparément. Le point 8, il s'agit de l'AG de l'intercommunal pur de financement du Brabant Wallon, l'IPFBOE, et à nouveau, je cède la parole à Philippe Delvaux, qui est notre représentant. Donc, il y a aussi deux points. Le premier, c'est de nouveau l'approbation du rapport annuel du comité de rémunération. Ici, je voudrais quand même saluer la démarche du président et du vice-président de cette intercommunale, parce qu'en fait, le revenu des présidents et vice-présidents des intercommunales sont basés sur le chiffre d'affaires, donc les recettes des intercommunales, à l'exclusion de ce qu'on appelle des recettes financières, donc des produits financiers. Et on s'est rendu compte qu'en fait, leur rémunération est trop élevée et ne respectait pas le décret. Et donc, on fait ici marche arrière et avec une correction rétroactive. Et donc, ils remboursent leur rémunération. Je les salue pour ça. En tout cas, bon, d'abord, c'est légal de le faire, mais de le faire de cette manière-là, chapeau, parce que c'est aussi de l'investissement, tout comme d'autres intercommunales, pour effectivement moins de revenus. On a approuvé également le plan stratégique 2023-2025, et donc l'IPFBOE, donc c'est une intercommunale pure de financement, à plusieurs participations, dans toute une série d'entreprises, Public Glass, Publicité, Secofé, je ne vais pas aller dans les détails, mais également ORES Asset, ça me permet de faire le lien avec mon collègue qui est membre du conseil d'administration au point 10, parce que l'information reçue par l'IPFBOE est que les dividendes d'ORES baisseraient de 30% en 2023, c'est ce qui est indiqué dans le rapport. Alors on entend que le gouvernement a décidé de postposer la mise en place d'une nouvelle tarification budgétaire pour ORES, qui nous touche tous en tant qu'habitants de la province du Brabant Wallon et même au-delà. Donc ce sera bien d'avoir quelques éclaircissements à ce sujet-là. Et je rappelle aussi que l'IPFBOE propose des services aux communes en termes de marché, donc notamment tous les marchés d'achat électricité et gaz, hein, donc qui nous touche maintenant, sur lequel l'IPFBOE donc s'est positionné. Également toutes les assurances, donc c'est quand même un rôle important et un effet important sur les budgets des communes. Et on aimerait bien travailler sur des nouveaux marchés comme nettoyage des panneaux photovoltaïques, pose de thermostats connectés, etc. Merci pour les explications. Pas de questions non plus. Alors, le point suivant, c'est l'Assemblée générale de IMIO, et donc je passe la parole à Françoise Dutu. Oui, merci. Donc, je vais vous présenter d'abord l'intercommunal. IMIO, ça veut dire intercommunal de mutualisation informatique et organisationnelle, ce qui n'est pas évident au premier regard. Elle a été créée, cette intercommunale, en 2011 par la région Wallonne, et elle est spécifique à l'économie du numérique et donc assez peu comparable avec d'autres types d'intercommunales. Elle réunit plus de 380 communes à ce jour. Elle se fonde sur un modèle collaboratif qui est basé à 99% sur les prestations de services aux pouvoirs locaux dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le modèle est basé sur la coproduction entre les membres de l'intercommunal et le secteur privé d'un patrimoine numérique qui suit un modèle de logiciel libre et interopérable. Alors, nous avons reçu d'un administrateur d'IMIO une note qui nous indique que globalement, la situation de cette intercommunale reste bonne, mais comme vous vous en doutez, le futur s'annonce plus difficile. Le volume des commandes a été légèrement supérieur à l'année précédente. Donc, le chiffre d'affaires est en hausse 7% de croissance organique, plus 2,5% d'indexation. L'administrateur nous indique qu'il s'attend à un résultat final négatif de 65 000 à 100 000 euros pour cette année, surtout à cause de l'augmentation des frais de personnel, qui est le poste principal du budget, qui est en hausse de 385 000 euros, et de la sous-traitance de plus de 88 000 euros. Le bénéfice reporté de 2021, 425 000 euros, permet de couvrir cette perte. Par contre, les hausses de coûts devraient, vous en doutez, continuer à augmenter en 2023. Trois indexations supplémentaires sont prévues. Une indexation de 20% des tarifs des sous-traitants est également prévue, et les frais énergétiques, bon, ça, on est tous au courant.
s'interroge sur le fait que l'approche des élections pourrait avoir un impact négatif sur le volume des commandes, parce que ça a déjà été le cas aux précédentes élections. Donc, ils ont élaboré un budget 2023 prudent qui limite les investissements et ils ont même diminué un peu, mais sans plus de précision, le nombre d'emplois pour ralentir la croissance des coûts du personnel. Alors, cependant, à mentionner, une nouvelle mission a été récemment confiée à IMIO par la région wallonne. Elle a été totalement subsidiée à hauteur de 3 millions d'euros par la région. Donc, il s'agit d'une mission cybersécurité qui permettra de procéder à l'audit informatique en matière de sécurité de toutes les communes qui sont rattachées à l'intercommunal. L'audit est en cours puisque un expert en cybersécurité a pu être recruté. Voilà. Merci beaucoup. Pas de questions non plus. Et au point 10, on a l'AG de Aurès, et c'est Adeline de Beyre, notre représentant. Merci. Je vais vous présenter quelques slides pour que vous compreniez un petit peu. On est tous concernés. On est concernés, évidemment, en tant que commune, puisqu'on utilise le réseau pour s'approvisionner en électricité et en gaz. Je vais particulièrement insister sur l'électricité. Pour le gaz, on est devant, d'une certaine façon, un dilemme. C'est ça. C'est que d'un côté, du CH4, une fois qu'il brûle, ça devient du CO2. Vous vous rendez compte que ce n'est pas tout de suite ça qu'on veut pour l'avenir. Et donc, investir dans les réseaux, c'est compliqué parce qu'à terme, il n'y aura plus de CH4. Et donc, la réflexion qui est-ce qu'on continue à investir dans les réseaux, sachant que du coup, on doit réfléchir à changer le type de gaz. Ce ne serait plus du méthane qui transiterait par les réseaux, mais d'autres types de gaz qui n'auraient pas ces inconvénients. Voilà pour le gaz. Donc voilà les réflexions de long terme qu'on opère, tout en évidemment continuant à réparer le réseau un minimum. Hein. Et pour l'électricité, alors n'ayez pas peur, il y a 70 slides que je ne vous présenterai évidemment pas tous. Mais donc, Aurès, c'est la moyenne tension et la basse tension. Donc, au-dessus, c'est Elia. Au-dessus de 70 000 volts, c'est Elia. En dessous de 70 000 volts, c'est Aurès. Alors, c'est Aurès chez nous. Aurès, c'est quand même 200 communes sur l'ensemble de la région, un très gros opérateur. Alors, quels sont les enjeux? Premier enjeu, c'est le tarif du réseau. Donc, on fait des investissements. Et puis après ça, ces investissements, ils sont payés par nous quand on consomme de l'électricité. Et donc, dans ce que vous payez à la facture de votre fournisseur, la partie réseau représentait un poste important, plus de la moitié de la facture, c'est en fait le réseau. Ça, c'était avant l'augmentation des prix d'électricité. Évidemment, le prix des réseaux sont restés parfaitement stables au moment où l'électricité a décollé. Et maintenant, ce qui était la moitié est devenu un quart. Et le prix de l'électricité aujourd'hui, enfin quand il était très cher, c'était trois quarts la fourniture d'électricité et c'était devenu un quart le réseau n'ayant pas changé de prix. Mais donc forcément quand l'un augmente, quand on fait une division. Alors hop, voilà, je vais vous montrer un peu les défis auxquels on est confronté. Donc Aurès développe vraiment un plan industriel, évidemment il le fait au-delà de 3 ans, hein. Il est sur 2028-2050. Améliorer la résilience. En fait, c'est très bien de vouloir lutter contre les gaz à effet de serre, mais on aura toujours besoin d'énergie. Et donc, on va de plus en plus se tourner vers une électricité, ce qu'on appelle décarbonée, fournie par des éoliennes, par des panneaux solaires, voire par le nucléaire, en tout cas pendant encore un temps. Mais vous ne savez pas faire passer beaucoup plus d'électricité dans un réseau qui est construit. Il y a une marge. Au-delà, vous faites passer trop d'électricité, le fil chauffe, exactement comme vous avez un court-circuit chez vous, et le plomb saute pour qu'il n'y ait pas trop d'électricité qui passe par votre circuit. Et donc, étant donné qu'il y aura plus de consommation, il faut parfois vouloir renforcer les réseaux et soutenir la transition énergétique. C'est si vous ne faites pas ça, à un moment donné, vous devrez dire à des panneaux solaires, « Sorry, toi non, parce que ça ne passe plus. » Donc voilà, et moderniser le réseau, la vétusteté, qui s'opposerait à la transition écologique. Voilà. Donc, je vous passe ceci, je vous montrer quand même qu'est-ce que ça représente comme investissement. On passe de 3 à 4 milliards sur 15 ans à investir dans les réseaux.
Et donc, vous voyez que ça, ici, les clients, c'est, ben, il y a des nouveaux quartiers qui se développent. Ben, on dit aux clients, OK, c'est très bien, mais vous, vous mettez les réseaux. Et puis, vous voyez ici, la structure, non, ici, la résilience, tout ce qu'il faut faire pour la résilience, tout ce qu'il faut faire pour lutter contre la vétusteté. Et regardez un peu ici, ces courbes-ci, c'est la transition énergétique. Le fait de pouvoir faire la transition énergétique et de passer à l'électrique pour ne plus consommer, regardez un peu ce que ça importe. Vous voyez que c'est tout à fait important par rapport à la modernisation. Quelques exemples. Ici, vous voyez que enfouir les lignes 70 000 volts, 36 000 volts, vous voyez que ça ne nous concerne pas. Donc c'est déjà bien fait chez nous. Je prends un exemple. Vous voyez où est la cabine Orez à Louvain-la-Neuve. Elle est située avenue Georges Lemaître, en face des rails. Elle est là. Eh bien, à un moment donné, pour sécuriser Wavre et toute la distribution électrique, on a fait passer une ligne à haute tension dans le boulevard de Wallonie qui a été jusqu'au Wavre. Et cette ligne à haute tension, c'est à peu près l'équivalent des pylônes que vous voyez un peu plus loin qui partent après le planche à voile. Là il y a des lignes à haute tension qui partent. Ben, vous voyez que d'un côté, elles sont aériennes et de l'autre côté, elles sont déjà en souterrain. Donc, alors ici, vous voyez les câbles et les lignes basse tension. Et vous voyez qu'ici, Louvain-la-Neuve est ici. Et là, on est tout à fait concerné. Et donc, il y aura beaucoup d'investissements à faire dans les lignes basse tension chez nous. Les cabines. Okay. Vous avez des lignes, à un moment donné, ça arrive à des cabines qui gèrent l'électricité qui va. Ces cabines, il y a encore des cabines où vous rentrez dedans, les fils sont nus. Et pour aller chipoter, on doit aller avec tous les fils sont apparents, si vous voulez, c'est extrêmement dangereux. Et donc, vous voyez que, de nouveau, on est concerné. Et vous voyez, on est dans le niveau tout à fait haut d'investissement. Voilà, alors je vais maintenant vous montrer quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte du choc qu'il y aura sur les réseaux. Vous avez ici une augmentation de 30% d'ici 2030. Ça, c'est en général pour la Wallonie, mais je vais vous montrer ce que ça donne pour chez nous. Hop, j'ai fait une fausse erreur, une fausse manœuvre. Voilà. Pour la consommation d'électricité dans le transport, donc les voitures électriques, vous voyez un petit peu ce qui est aujourd'hui et ce à quoi il faut s'attendre. Pour le renouvelable, vous voyez que c'est prévu d'ici à 2030 de faire x2,1. Donc c'est vraiment un impact majeur sur les réseaux. Alors, j'en ai encore l'un ou l'autre. Et puis, par contre, vous voyez que les efforts d'isolation vont demander beaucoup moins de chauffage. On divise par 2,4. Mais, en parallèle, les chaudières au gaz vont être remplacées par des pompes à chaleur. Et hop, vous voyez ici dans le bâtiment une grosse augmentation de la consommation électrique. Là, je vous en ai dit assez. Je vais directement passer à le slide. J'ai encore deux slides à vous montrer. Qu'est-ce qui se passe si on ne modernise pas les réseaux? Eh bien, vous avez la ligne verte que vous voyez là en dessous. C'est le niveau en dessous duquel on ne peut pas descendre. Si on descend, vous risquez un blackout. Eh bien, vous voyez qu'à deux endroits, le réseau actuel est trop faible et on aurait un blackout, c'est-à-dire trop de gens demandent, la tension baisse trop fort et on est obligé de faire sauter, de débrancher certaines personnes pour que la tension ne descende pas trop fort. Donc voilà, ça explique bien les trucs. Et alors j'ai encore un slide, je vais directement au 44. Voilà, hop, ici. Orez travaille avec l'UCL pour savoir où précisément faut-il agir le plus vite. Donc ce n'est pas, ben on va remplacer toute une série de câbles et toute une série de cabines parce que c'est bon. Non, c'est quels sont précisément les endroits où ça va sauter le plus vite. Et c'est donc là qu'on le fait. Et vous voyez ici dans le Brabant Wallon, je ne sais pas si on voit ma souris, voilà. Ici, chaque fois que vous avez un point rouge,
c'est ça ne tiendra pas, même pas jusque 2030. Et ces points ici, et donc c'est autour de Louvain-la-Neuve, hein, autour de Wavre, Louvain-la-Neuve, vous voyez, tout le Brabant wallon ici. On ne saura même pas accueillir la première vague. On est juste à la limite, et quand la transition énergétique commencera, pouf, le réseau va s'écrouler. Et donc, du coup, Aurès, avec ça, dit, OK, c'est là que je dois investir en premier lieu, et c'est donc bien en Brabant-Wallon qu'on investira en premier lieu. Par rapport à la Wallonie, il y a d'autres points, mais majoritairement, ça sera le Brabant-Wallon sur lequel on investira. Voilà. Alors, OK, je termine là, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Pour les dividendes, Aurès, l'échevin Philippe Delvaux a tout à fait raison. Le tarif était décidé par la COAP jusque fin 2023. En fait, Aurès vient avec des telles demandes d'investissement, etc., avec une telle méthodologie tellement fouillée que la COAP dit « Moi, je ne vais pas accepter un chat dans un sac. » Et donc, j'ai besoin de beaucoup plus de temps, donc j'ai besoin d'un an de plus pour savoir si je vais accepter ces investissements. Parce que accepter ces investissements, c'est accepter 4 milliards pendant 15 ans. Si 4 milliards, jusqu'à preuve du contraire, ils ne tomberont pas du ciel, et ça veut dire que nous les payerons. Et donc, vous vous rendez compte le dilemme entre ben, si on investit 4 milliards, vous les payerez dans le tarif, donc le tarif sera plus cher, et d'un autre côté, si on ne les investit pas, vous risquez de ne plus avoir d'électricité, ou de ne pas pouvoir mettre vos panneaux, etc. Vous voyez un peu le dilemme, et donc la COAP, qui est un peu le gendarme, eh bien, il a besoin de temps pour être bien certain que ce qu'on lui propose, ce n'est pas exagéré, pour avoir les tarifs les plus bas possibles, tout en assurant la transition énergétique. Et donc, la question des dividendes là-dedans. Ben, si Aurès paye des dividendes aux communes de nouveau, désolé, ça ne vient pas du ciel. Ça veut dire que vous les avez payés dans le tarif. Et donc, là, il y a vraiment un débat sociétal qui est, qu'est-ce qu'on fait? Le dividende, c'est une espèce de taxe déguisée vers les communes. Est-ce qu'on déguise une taxe? Est-ce qu'on fait une vraie taxe? Ou est-ce qu'on ne fait pas de taxe parce qu'on voudrait que les gens puissent payer leur électricité moins chère? Et donc, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer avec les dividendes. Mais jusque fin 2024, ce sont les anciens tarifs. Et là, c'est clair, la COAP a dit, vous avez droit à un certain retour sur investissement. Donc, vous investissez X, on est d'accord que vous investissiez, et bien vous avez 8% sur le montant investi. Et donc, d'ici 2024, normalement, il n'y aura pas de chute de dividendes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Est-ce que ça suscite des questions? Donc, je vais déjà vous proposer de voter les points 7 à 10 qu'on vient de présenter. Et on fera le dernier point sur les intercommunales par la suite. Donc, pour les points 7 à 10, qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions et le reste est pour. Alors, le point 11, il s'agit de l'Assemblée générale de l'intercommunale sociale du Brabant-Wallon, donc l'ISBOE. Et je vais passer la parole à Nadine Frazel pour la présentation. Oui, merci beaucoup, Madame la Bourgmestre. Alors, il faut savoir que l'intercommunale sociale du Brabant-Wallon dans notre commune, elle intervient surtout pour des renforts en cas d'absence de puéricultrice dans des crèches et aussi pour l'accueil, surtout pour l'accueil extrascolaire des enfants. Alors, dans les documents qu'on a reçus, je pense qu'on peut pointer 4 choses. Tout d'abord, l'intercommunal annonce un déficit de son budget 2023 qui s'évalue à 184 000 euros. Ce n'est pas quelque chose de très étonnant parce que l'intercommunal est confronté à des déficits qui sont structurels. Et d'ailleurs, un consultant doit analyser les dépenses et les recettes de manière très fine et approfondie pour faire des propositions et suggérer des solutions pour remédier à ces déficits qui sont récurrents. Autre constat, c'est que, vous savez, la dotation des communes, la nôtre notamment, a été augmentée. Elle a été doublée l'an dernier. Et on apprend que cette dotation sera indexée dans le futur. Et enfin, l'intercommunal annonce un déménagement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce déménagement, justement, permettrait de faire face à l'expansion de certaines dépenses, notamment en matière d'énergie, et on peut s'attendre à une meilleure utilisation rationnelle de l'énergie. 2 points d'attention pour l'Assemblée générale. Donc, cette idée de consultant dont on aurait bien aimé, et c'est une déception, on aurait bien aimé qu'il remette ses conclusions déjà pour l'élaboration du rapport 2023, ce n'est pas le
pour l'élaboration du budget 2023, ce n'est pas le cas. Et on espère qu'on aura vraiment son rapport dans les premiers mois de l'année 2023. Et deuxième point d'attention, c'est l'indexation donc, de la dotation des communes. Et il faudra veiller à ce que les communes soient bien conscientes de cette indexation pour partir de l'année prochaine. Merci. Merci, Madame Frazel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Madame Olef? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, on a eu la visite, un long exposé d'une personne éminente de l'ISBE qui nous expliquait un peu gênée qu'on avait déjà depuis un an sonné la cloche et l'alarme et qu'ils avaient décidé d'avoir un consultant qui fait quoi, mais qu'ils étaient en retard, que ça allait se faire, etc. C'est toujours pas fait. Donc moi, on ne peut pas m'accuser de ne pas travailler pour le social, mais je pense que quand on a des budgets qu'on gère, qui sont publics, il faut le faire plus sérieusement que ça. Et reculer, ça fait des années qu'il y a des problèmes à ISBOE. Je pensais sérieusement qu'on allait avoir quand même un audit qui nous dirait où le bât blesse, parce qu'on donne de l'argent. Et c'est normal, le social, ça coûte. Mais ils ont des subsides de tous les côtés. Et je ne comprends pas qu'avec la participation financière aussi des personnes qui en bénéficient, on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans cette baraque. Parce que c'est une baraque depuis 20 ans. Non, enfin, je suis désolée. En plus, généralement, on nous demande si on veut bien augmenter la dotation communale de 50 cents, d'un euro, de 2 euros, peu importe. Ici, sans rien dire à personne, dans le budget de l'année prochaine, on nous a mis une indexation. Tranquille, tranquille. Et donc, on est censé, comme ça, laisser passer les choses. On va approuver le budget, donc on va approuver une indexation. On ne nous a pas demandé notre avis, elle est là. Moi, écoutez, je ne peux pas apprécier des façons de faire comme ça. Donc, au minimum, je vais faire un gros effort pour m'abstenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Monsieur Laperche? Donc, pour les raisons qui viennent d'être mentionnées, notre majorité va être un petit peu moins soudée que d'habitude. Il va y avoir des votes un petit peu plus dispersés. Donc, globalement, nous allons nous positionner en faveur du budget, enfin de ce point, parce que nous estimons que les missions soutenues par INBOE sont essentielles. Par contre, pour les réserves ici mentionnées, certains d'entre nous vont s'abstenir. Voilà. Merci. C'est bien pour l'ISBOE, pas pour INBOE. Hein. C'était un petit fourchement de langue, pas de souci. D'autres commentaires? Madame Dany? Oui, moi, je m'étais abstenue l'année passée aussi. Je n'étais pas la seule, d'ailleurs, parce que je trouvais que la présentation que nous avait fait le monsieur dont j'ai oublié le nom... Ça n'était pas très clair. Ça manquait de structure, ça manquait de projet. Et même quand il y a eu un projet, il est nulle part. Donc, je vais aussi m'abstenir. Merci. Plus d'autres commentaires? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote contre? 0. Qui s'abstient? On va compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 abstentions et le reste est pour. Merci beaucoup. Au point 12, il s'agit d'un point qui concerne le budget participatif, qu'on a appelé « Ma ville en mieux ». Et donc, le point passe en conseil communal, puisque nous allons octroyer les subventions aux bénéficiaires, qui ont été en fait désignés par un jury qui était composé d'experts et de citoyens, qui ont désigné les lauréats parmi les 18 candidats et qui ont également décidé du montant qui serait attribué à chacun. Étant donné que c'est des subventions, ça passe en conseil communal et c'est donc l'objet de ce point. Je pense qu'il y a une intervention. Et donc, Anne Chédron, je crois. Oui, merci.
Donc, voici un peu plus d'un an, le collège prenait la décision d'organiser la mise en place d'un budget participatif en interne. Cette politique est un choix, mais certains choix sont cruciaux pour diverses raisons. D'une part, cette aide de 30 000 euros en cette période de crise post-Covid, puis le coût de l'énergie, est-elle dans le contexte actuel opportune vu les finances communales ? Et d'autre part, doit-on considérer cette aide indispensable à la réalisation des projets sélectionnés ? Merci. Écoutez, moi je pense que ça reste effectivement une démarche vraiment intéressante que de proposer à des associations, à des citoyens qui sont en association de fête ou des citoyens, de proposer des projets qui leur tiennent à cœur et d'obtenir un soutien de la commune. Donc nous avons choisi d'ailleurs en 2023 de maintenir ce budget de 30 000 euros pour pouvoir continuer à développer ce processus qui nous semble malgré tout essentiel. Ce budget n'est pas excessif non plus par rapport au volume global du budget de la commune et donc on a privilégié le maintien de cette subvention parce qu'on est persuadé que c'est des actions qui sont vraiment au bénéfice des citoyens et au bénéfice de tous. Madame Chétron. Je peux répondre, oui. Alors, on votera exceptionnellement pour, mais nous serons contre si le projet se poursuit, car ce n'est pas pour nous une priorité budgétaire. Ok, merci. Pardon ? Oui, ici, c'est la subvention 2022, mais je signale qu'on a maintenu le budget en 2023 pour poursuivre le budget participatif. Très bien, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Pas tout le monde, en fait, c'est unanimité. J'ai un vote, oui, pour. C'est Caillou qui signale qu'il vote pour. D'accord, merci, je n'avais pas compris la main levée. Donc, c'est une unanimité sur le budget participatif, merci beaucoup. Alors, nous avons les points de Monsieur Jacob. D'après, donc il a toute une série de points, mais d'après les informations que nous avons eues, il n'y aurait pas d'intervention sur ces points. Il y en aurait quand même une. Monsieur Vidal, quel point ? Sur le point 15. Un petit instant, alors je vais demander d'abord à l'échevin de le présenter. Donc, le point 15, c'est boulevard de Lozelle. Donc, je vous propose d'abord de faire les points 13 et 14. Donc, le point 13, c'est la convention pour l'Halloween Run, et le point 14, c'est la convention d'adhésion pour le Panathlon. Est-ce qu'on peut voter les deux ensemble ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions ? Et le reste est pour. Et je cède la parole à M. Jacob pour l'explication du point 15. Oui, donc le point 15, c'est le clubhouse, l'ancien clubhouse du rugby, qui se situe boulevard de Lozelle. Donc ce bâtiment n'est plus utilisé pour l'instant. Il appartient à la PBW. Certaines unités scouts souhaiteraient pouvoir l'utiliser de temps à autre, notamment pour s'abriter l'hiver, donc essentiellement uniquement la partie buvette, qui est en bon état, voilà. Et donc, nous avons demandé à la PBW si c'était possible de pouvoir l'occuper. Et donc, la PBW a marqué son accord. On a déjà voté la convention le mois passé avec la PBW, qui nous loue le bâtiment pour 1 euro symbolique. Et donc, voilà, nous allons mettre deux unités, une le samedi, une le dimanche, pour qu'ils puissent au moins héberger les jeunes en cas de mauvais temps. Alors, nous ne remettrons pas de gaz, voilà, parce que, voilà, d'abord, ça coûte cher, et puis, ça ne vaut pas la peine de remettre un compteur en route pour quelques réunions l'hiver, ils mettront un gros pull, hein, voilà, c'est des scouts. Et voilà, donc on leur demande d'entretenir ce bâtiment jusqu'au moment où la convention se terminera. Oui, merci, Monsieur Jacob. Moi, ce qui m'inquiète de savoir, c'est dans quel état se trouve actuellement le bâtiment, tant au niveau structure que toiture, parce qu'on va quand même là autoriser un mouvement de jeunesse à se trouver dedans. Et j'ai quand même des craintes au vu du temps passé. Moi, j'ai quand même connu ça il y a quelques années, quand j'allais voir un petit match de rugby. Les bâtiments sont en très mauvais état. Donc, il ne faut pas oublier qu'on va mettre des jeunes là-dedans. Et à qui va incomber la responsabilité en cas de sinistre ? Il y a une partie des bâtiments, effectivement, en tôle, qui sont en très mauvais état. Ça, ils ne peuvent pas les occuper. La partie clubhouse est en dur, donc en bloc.
Une fois que ce sera nettoyé avec une petite couche de couleur, il n'y a pas de problème, ça a été vérifié par le service travaux. C'est pour ça que j'ai déjà dit qu'on ne mettait pas de gaz aussi, c'est par sécurité, pour éviter qu'il y ait une fuite. Il y a encore des vieux convecteurs, mais voilà, je ne fais pas trop confiance. On mettra le minimum au niveau électricité, mais il occupe uniquement la partie buvette. Oui, d'accord, mais est-ce que vous allez faire... faire un contrôle par une installation, une société agréée pour l'installation électrique, parce que là aussi, on peut avoir des sinistres dus à l'installation électrique, hormis le gaz, quoi. Pardon ? On fera contrôle, mais je crois que ça a déjà été fait, et les pompiers sont passés également. Voilà, ils ont marqué leur accord, moyennant de mettre un extincteur et quelques petites modifications, mais mineures, quoi. Voilà. Ok, si... Tout le monde est suffisamment informé. Je vous propose de voter sur ce point. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Et le reste est pour. Alors, d'autres remarques sur les autres points ? Ou pas forcément ? Donc, on va voter tous les points ensemble, donc du 16 au 22 inclus, si ça vous va. Et donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Le reste est pour. Merci beaucoup. On passe au point de Monsieur Debeer, qui va nous présenter le point 23. Monsieur Debeer. Oui. Voilà. Il s'agit du Piwassi. Je fais un petit peu diversion en attendant. Voilà. Okay. Ça va aller ? Comme ça, ça devrait aller, non ? Ça vient. Hein? Tout ça est à vous. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais je. Donc, en gros, le temps qu'il chauffe ici, j'ai pourtant mis le choke, mais manifestement. Donc. Il s'agit du. De l'aménagement de la grand rue. Donc, la fois passée était venu le boulevard botanique. En fait, en tout début d'année, je vous ai présenté plusieurs fiches. Et puis, la région wallonne a été globalement d'accord, mais a dit, je veux voir le cahier des charges. Et donc, plutôt que de vous présenter tous les cahiers des charges en un seul coup, en décembre, en disant, et puis on envoie tout à la région wallonne, on les a mis systématiquement. Donc, on a déjà eu le jardin botanique, par exemple. Et maintenant... on a de la grande rue, c'est-à-dire du carrefour à la RN, à la 275, si je ne m'abuse, vers la place de Sérou, on continue, et puis vers l'âme. Donc actuellement, je ne sais pas si vous voyez ici les photos, mais donc on a une bande centrale, et puis on a des pavés de béton rouge, avec le filet d'eau, et c'est en mauvais état. Et en plus, c'est censé être cyclable, mais en fait, ce n'est pas vraiment très pratique, cette partie cyclable. Et donc voilà, ça c'est l'existant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Donc vous voyez ici, vous reconnaissez ici la place avec l'église. Vous voyez qu'on va retravailler les intersections. On va enlever les clinkers, en tout cas, là où il y a des plateaux, pour plutôt faire comme ici à la rue des deux ponts, comme on a refait, c'est-à-dire du macadam, mais cette fois-ci, ça sera coloré. Et en plus, on va refaire, et donc ça, c'est ici, je vais mettre un petit peu plus élevé, voilà, ici. Voilà, donc on va faire du macadam ocre, et le filet d'eau ira rejoindre les trottoirs. Et donc ça sera des pistes cyclables suggérées, dans la mesure où je fais piste cyclable, quelque chose qui est en dehors de la voirie et séparé par une bordure. Ici, ça sera piste cyclable suggérée, mais on ne pourra pas se garer dessus. Et donc, ça sera deux bandes ocre que vous voyez ici, les bandes bleues. Là, quelque part, c'est les filets d'eau. Et juste à côté, vous avez les bandes ocre. Et vous avez, alors, la voirie qui sera refaite d'un bout à l'autre. Donc, pas vraiment raclage-pose, mais enfin, quelque chose de relativement équivalent, avec de temps en temps des réflexions un peu plus profondes, là où on a remarqué... qu'il fallait faire une réflexion un peu plus profonde. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? Oui, on va émarger à deux sources de financement. Le PIC en général, 60%, et ça c'est pour
la voirie. Donc ça va être compliqué pour l'entrepreneur parce qu'il va dire, là maintenant je travaille au milieu de la voirie et je vous fais un décompte parce que c'est au milieu de la voirie et c'est pour les voitures. Et puis quand il va travailler sur les pistes cyclables, là ça sera au Piwassi. Quelle est la différence? Le PIC c'est 60%, le PIC c'est 40%, le Piwassi c'est 80%. Donc voilà, on maximise sur l'ensemble du projet les subsides obtenus. Je le présente, bien qu'il n'y avait pas vraiment de questions, mais comme ça concerne beaucoup d'habitants, ça me semblait important qu'ils puissent être informés et que c'était plutôt que de faire une conférence de presse, ça vient au conseil, c'est pour ça que je vous le présente. Si vous êtes d'accord, je ne vais pas plus loin. Merci, monsieur Leschevin. Une question de monsieur Bidoul, puisqu'il y a une question quand même. Je suis désolé, hein, je n'étais pas présent jeudi à la réunion. Donc, si je comprends bien, encore une fois de plus, sur Ortigny, donc des voiries qui ont été réalisées il y a 10, 12, 15 ans peut-être, avec des pavés de béton, c'était le cas dans le centre, maintenant c'est le cas à Cérou. Donc, tout ça, après 15 ans, on supprime, on enlève et on va reposer maintenant de l'asphalte, ce qui n'est en soi n'est pas mal du tout. Mais donc, ce qui veut dire que depuis une dizaine d'années, on a engagé des travaux, on a fait des travaux, je dirais, inutiles, puisque après une douzaine d'années, ben, on va enlever, on va tout arracher, comme c'était le cas à Avenue Reine Astrid, comme c'était le cas à Rue des Deux Ponts, pour remettre de l'asphalte. Donc je trouve ça quand même un petit peu dommage. Donc voilà, maintenant, si c'est pour un mieux. Par ailleurs, il y a aussi un élément auquel il faut tenir compte, c'est que dans la voirie, là où il y a cette piste cyclable actuelle en pavé de béton, entre la piste cyclable et la zone de roulement des véhicules, il y a les avaloirs. Est-ce qu'il est prévu, ces avaloirs, de les reporter sur l'extérieur? OK. Parfait. Je vous remercie. Moi, personnellement, je ne suis pas depuis assez longtemps pour pouvoir juger. J'aurais tendance à ne pas juger le passé. Je pense qu'à un moment donné, ça a été accepté par tous. On a pensé que c'était bien, et puis à un moment donné, ça vieillit mal. Ce que je trouve qui n'irait pas, c'est de ne pas tenir compte de l'expérience. Voilà, et donc, voilà, on tient compte de l'expérience. Voilà, je n'ai pas d'autres éléments à ajouter. Monsieur Hautelet. Merci, Madame Labouresse. Mais je vais éclairer un peu la lanterne de mon collègue et des autres collègues du Conseil communal. Ces travaux ont 25 ans maintenant. Donc, il y a 25 ans qu'on a refait cette voirie, la grande avenue à Cérou. Et c'est vrai qu'à l'époque, on mettait les casse-vitesse, tous les casse-vitesse, mais c'est ça, avec des pavés béton. Hein, c'était recommandé à cette époque-là comme étant vraiment la meilleure des formules. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'expérience nous montre que ça ne dure pas et que ça pose pas mal de problèmes. Maintenant, il faut nuancer et bien dire que ce type de casse-vitesse avec les pavés de béton, ils sont efficaces au niveau de la vitesse. Je suis passé récemment aux deux ponts en voiture. C'est nettement moins efficace avec les casse-vitesse asphaltées. Hein, ça, c'est indiscutable. Donc, moi, je comprends qu'on fasse des casse-vitesse asphaltées parce que ceux-là, probablement, seront beaucoup plus costauds et en plus répondront à la réglementation en vigueur en matière de casse-vitesse, qui n'était peut-être pas tout à fait le cas des anciens. Mais attention, il faudrait en parallèle, me semble-t-il, prévoir des dispositifs style radar préventif, voire même radar mobile régulier dans cette rue, parce que les voitures de transit vont en profiter pour aller encore un peu plus vite. Voilà. On voudrait faire un conseil communal court, donc je vais essayer de répondre de manière très courte. Je trouve personnellement que le débat est passionnant. Et je ne m'attendais pas, dans la vie de tous les jours, des compétences qui sont les miennes, d'être confronté à ce que vous avez expliqué. Ici, le plateau rue des Deux Ponts, le problème, c'est qu'il devenait dangereux, en fait, parce que les pavés bougeaient trop et que quand on passait en vélo, c'était dangereux. Pour le reste, je suis d'accord avec vous,
c'était plutôt efficace. Et donc aujourd'hui, et alors je vais vous raconter une petite anecdote, c'est rue du Corbeau. On a refait la rue du Corbeau, à corps et à cri demandé par les riverains, qui disaient, mais c'est plus possible, c'est en mauvais état, c'était casse-voiture, etc. Quand il y a eu les travaux, les gens étaient enchantés, il n'y avait plus de voiture du tout. Et puis, ils ont été discutés avec les ouvriers, et ils ont dit, ah, vous faites du beau travail, etc. Et les ouvriers ont répondu, vous allez être contents, hein. Vous n'entendrez plus de bruit, mais les voitures iront plus vite. Et les gens se sont mis à réfléchir en disant, en fait, on doit réfléchir plus loin qu'à un coup, c'est deux, trois coups. Effectivement, c'est super, ça fait moins de bruit, mais les voitures roulent plus vite. Et j'ai été très impressionné par cette capacité que les gens ont eue de prendre du recul et de dire, en fait, c'est pas juste un coup et linéaire, en fait, c'est un truc qui est systémique et qui a une chose a une influence sur l'autre. Et donc, je pense que ça me fait penser à ça ici. Certes, on va refaire les cases vitesse, mais comme ils vont être un peu plus doux, du coup, ils seront un petit peu moins efficaces. Et donc, c'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre, en réalité. Voilà, je ne voudrais pas être plus long. Merci pour ces explications. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Et le reste est pour. Le point 24, une présentation rapide de l'échevin également. Oui, le transport à la demande. C'était quelque chose que la commune a développé, mon prédécesseur s'y est énormément investi, les services aussi, dans le cadre du projet, ce qu'on appelait Navajo, donc il y a eu un appel à projet numérique, et vous vous rappelez, le projet Navajo, il y avait deux aspects, il y avait la navette autonome et le transport à la demande. La navette autonome a toujours été présentée comme un outil pour acquérir de l'expérience qui n'allait pas être efficace, il ne l'a pas été, par contre, il a atteint son objectif d'acquérir de l'expérience, et la commune, quelque part, a participé, y compris financièrement, pour la collectivité générale. Ce n'était pas la même chose pour le transport à la demande. Le transport à la demande, là, c'est un véhicule classique, diesel, qui tourne, il n'était pas à toute petite vitesse. Là, il fallait développer la partie informatique pour avoir quelque chose de solide, et si on avait quelque chose de solide, c'était pour apporter une vraie plus-value pour les gens qui allaient se déplacer. Alors, ça a fonctionné, vous vous rappelez, ça s'est ouvert à peu près au pire moment, c'était au moment du Covid, et là, les gens étaient enfermés chez eux, c'était difficile de les faire bouger et tester l'affaire. Et je vais vous montrer, il y a une évaluation exhaustive qui a été faite, je vais faire très rapidement, parce que ça explique bien pourquoi on se dirige vers une nouvelle étape et qu'est-ce qu'on en attend de cette nouvelle étape. Ok, de nouveau, comme ça concerne beaucoup de monde, je me suis permis de le faire en section technique, mais de le refaire ici, parce que je pense que beaucoup de citoyens sont concernés. Donc, je vous passe rapidement. Ah, sorry. Voilà. Donc, tout ça, je passe. Voilà. Le véhicule, c'est celui-là, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Vous avez que quand quelqu'un prend ce véhicule, c'est 2,10 € par trajet. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que pour lancer le chose, on a donné 10 trajets plus 10 gratuits, etc. Donc, voilà. Je passe. Ici, on a le lancement le 8 février 2021. Et vous voyez que le 1er avril 2021, on étend déjà le service. Et puis, vous voyez que c'est financement par Digital Wallonia. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête parce que Digital Wallonia a fait son travail. Le programme fonctionne, les gens peuvent téléphoner. Et puis, okay, on s'arrête pas. En réalité, le TEC, la région Wallonne, estimait que, OK, on avait le programme, mais on n'avait pas encore exactement le répondant des gens, jusqu'où les gens allaient apprécier le service. Et c'est pour ça que le ministre a financé jusqu'au 31 du 8 2022, ça c'était le moment où on a fait l'évaluation, et puis on était au milieu du guet. S'il fallait de l'argent, les communes n'avaient pas d'argent pour financer. Et le ministre a dit, OK, je prolonge jusqu'au 31 du 12 uniquement si vous me donnez des garanties, au moins intellectuel, que vous voulez continuer. Et donc, de fin juillet à maintenant, on a travaillé énormément pour dire est-ce qu'on assure un futur ou pas, sachant l'évaluation que je vais vous montrer. Alors, juste pour être bien clair, initialement, et vous verrez que c'est extrêmement important, initialement, mon prédécesseur, David Da Camara,
avait dit, on va faire le transport à demande, et vous reconnaissez Louvain-la-Neuve, hein, vous reconnaissez la RN25, la RN238, le boulevard de Lozelle. C'était sur ça, initialement. Et pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur « c'était sous Louvain-la-Neuve » Parce que le but, qu'est-ce qu'on voulait tester? Un programme qui puisse dire « ah, j'appelle, ok, on prévoit votre trajet, un autre appelait, ok, on vous prend sur le trajet, on dévie la navette », et donc c'est tout ce programme-là qui devait, de déviation. Et donc si je vous raconte tout ça, c'était pour qu'il y ait plusieurs personnes dans la navette au moment où elle circulait et qu'elle ne soit quasiment jamais vide et au contraire qu'elle soit assez bien remplie. Et ça, c'était théoriquement possible dans cette considération-là parce que les gens étaient prêts. Tandis qu'ici, juste après, en avril, on a étendu, vous voyez, à tout ce qu'on appelle la banane, donc tout le jaune clair autour. Et là, en étendant, et vous comprendrez pourquoi on l'a fait, on a perdu... Un des avantages, c'est que quelqu'un qui est à Louvrange et qui téléphone, et puis après ça, quelqu'un qui est à Cour-Saint-Étienne, au Mirivaux et qui téléphone, ben, celui qui est à Louvrange, on va le chercher, on le ramène à Louvain-la-Neuve, on le dépose à Louvain-la-Neuve, on ne le garde pas jusque Louvrange pour revenir après sur Louvain-la-Neuve. Et donc, en ouvrant le territoire comme ça, qui n'est pas extrêmement dense, on risquait, et je vous le dis déjà, c'est le cas, on a perdu le côté groupement, taxi collectif où on est plusieurs dedans. Et donc, le système s'est envolé et puis est arrivé à une stabilité, je vais vous montrer. Mais malheureusement, on fait les trajets souvent à vide. Vous avez ici un exemple. Donc, vous voyez que si vous regardez la ligne ici, nombre de personnes transportées par semaine, au début, première phase, petite phase, 43, Covid aussi. Vous voyez qu'on va après vers 248. Et vous voyez, 212, 248, on commence à se stabiliser. 248 personnes transportées par semaine sur la zone, ça commence à être le maximum. Mais regardez ici, 47% de trajets à vide. Ben oui, c'est un taxi en fait. Il va chercher la personne, il est vide, il prend la personne et il l'amène. Et ça, ce n'est pas du tout performant. Et si vous voyez nombre de... ici, en gros, le 3... voyageurs par heure, ça a l'air d'être un peu le maximum. Et je... Attendez, c'est pas facile. Voilà, descendre comme ça. Le coût par trajet, 20 euros. Chaque fois qu'on fait un trajet, ça coûte 20 euros. Et les recettes, c'est... recettes par voyageur, 1,51. Donc, ça coûte à la société 18 euros. Et donc voilà, ça c'est quelques éléments. Je vais vous les montrer sous forme graphique. Donc évolution du nombre de voyageurs, vous le voyez ici, on commence à arriver à une certaine stabilité. Et évolution des coûts aussi, on a grosso modo 7% des recettes qui couvrent les coûts. Alors, c'est un service qui a une vraie plus-value, mais qui a pour le moment certains inconvénients. On a aussi, dans l'évaluation, on a regardé les gens. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont comme alternative un bus ou est-ce qu'ils n'ont pas de bus? Et vous voyez que pour un tiers des cas, ils demandent le transport à la demande, mais en fait, ils ont un bus pour faire ce qu'ils demandent de faire. Donc ça, évidemment, le tech dit, attendez, moi, je ne me fais pas concurrence à moi-même. Donc ça, c'est toutes des choses que je vous dis maintenant qui vont influencer le futur. On ne va pas continuer à développer un transport à la demande là où il y a un bus qui fait exactement la même chose. Voilà. Très intéressant. Analyse du profil voyageur. Vous voyez que le public maximum, c'est, qui utilise au maximum la navette, le transport à la demande, c'est entre 15 ans et 25 ans. Pour faire un trajet de l'ordre de 5 à 7 km, au maximum. C'est typiquement l'objectif de notre politique cyclable. Prennent un vélo ou prennent un vélo électrique. Et c'est typiquement le genre de personne qui est susceptible et censée pousser sur des pédales plus facile que les personnes entre 70 et 80 ans qui, vous voyez, n'est absolument pas notre public. Et ce graphique-ci est aussi extrêmement intéressant. Je vous le remets un peu plus haut. Voilà. Attendez, hop, comme ceci. L'inégalité dans l'utilisation des services. Il y a 10% des gens ici, entre 90 et 100%, qui utilisent 50% du service. Ça veut dire qu'il y en a qui l'utilisent quasiment tous les jours.
Et il y en a plein qui l'ont utilisé une fois, puis plus une fois. Et donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait, bien que le service tourne tout le temps, quelque part. Et un dernier slide que je vous ai pu vous présenter, c'est celui-ci. En semaine, 7000 courses. D'où viennent les gens et où est-ce qu'ils vont? Et bien, vous voyez que ceux qui viennent de Wavre, c'est 6%. Ceux qui viennent de Chaumont-Gistoux, 20%. Ceux qui viennent de Mont-Saint-Guibert, 32%. Cours-Saint-Étienne, 22%. Et le 22%, c'est ceux de la commune qui restent dans la commune. C'est les Autintois qui prennent le transport à la demande pour faire un trajet de Louvain-la-Neuve, de Louvain-la-Neuve vers Otigny. Et donc, évidemment, ça. Maintenant, j'en arrive à la convention qu'on fait. On fait une convention avec les TEC pour faire le transport à la demande. Ils nous ont dit, nous, TEC, on ne paye plus. Maintenant, c'est à vous. Combien est-ce que ça va coûter? 150 000 euros par an. J'ai encore un petit graphique pour vous montrer les heures de fréquentation. Et vous voyez qu'il y a quand même une chute à partir de 20 heures, surtout 23 heures. Et là, les TEC sont venus et disent, OK, on veut bien continuer à vous aider. Mais un, pas question de concurrencer nos bus. Deux, c'est censé être du transport collectif à la demande, pas du taxi. Et d'un autre côté, nous, TEC, on est intéressés à ce que vous continuiez parce qu'on veut développer le transport à la demande. Mais on veut trouver quelque part un autre modèle. Et donc, nous, on sait que ça fait plaisir. Enfin, ça répond à un besoin. D'un autre côté, c'est pas suffisamment efficace au niveau social et écologique parce que quand vous avez un taxi, c'est quand même émission dans le trajet aller, émission dans le trajet retour, et c'est une camionnette, c'est pas le véhicule qui consomme le moins. Et donc les TEC, ils disent, nous ce qu'on veut, c'est être quelque chose qui est beaucoup plus efficace et qui est plus collectif. Mais on ne sait pas très bien comment on doit le faire. Et donc, en fait, les 2 ans de convention qu'on a, c'est pour continuer à rendre un service intéressant aux citoyens, mais l'améliorer socialement et écologiquement. Évidemment, la commune d'Otigny, le TEC a dit, je ne paye plus. Pourquoi est-ce que le TEC a dit « je ne paye plus » Parce qu'ils ont des règles. Ils disent « nous, le transport à la demande, on le fait après le plan de redéploiement du réseau. » Pour le plan de redéploiement du réseau, on va commencer à étudier en 2026 et on va terminer en 2028. Donc il dit « nous, on reviendra en 2028 ». Ça veut dire qu'on s'arrêtait totalement. Ils ont dit « en fait, nous, ce qu'on veut bien faire, ne pas payer, mais apporter notre force de travail pour vous aider à améliorer le système. » On dit « ok, mais nous, avec le graphique où on n'est que 22%, on ne va pas prendre tout à notre charge pour prendre des gens qui viennent de Mont-Saint-Guibert, de Cours-Saint-Étienne. Donc on est allé trouver les communes en demandant est-ce que vous voulez participer avec cet argument-là. Comme les communes, ils étaient venus avant chez moi en disant c'est fantastique ce transport à la demande. Ben, c'est fantastique, mais il faudra contribuer. Et donc aujourd'hui, c'est la convention entre le TEC et la ville pour continuer, sachant que les heures seront un peu réduites. C'est 150 000 euros maximum. Et c'est pour un laboratoire pour être plus efficace. Ça, c'est l'objectif, tout en rendant des services efficaces aux gens. Et la fois prochaine, on aura les conventions avec tous les partenaires, puisque nous ne mettrons que 30 000 euros par an, et le reste des partenaires va financer le système. On n'est pas arrivé à 150 000, et là, le ministre a dit, non, mais en fait, c'est vraiment efficace. Donc, moi, ministre, je rajoute à la partie qui vous manquera. J'ai évidemment fait un peu les 2 points en même temps. Ici, on ne vote que la convention entre la ville et le TEC. Et donc, nous sommes, si vous voulez, maîtres d'œuvre. Et donc, nous aurons officiellement un comité d'accompagnement entre la ville et le TEC. Et ça sera décisionnaire par rapport au TEC. Et puis, nous aurons un comité de suivi avec tous les partenaires pour réfléchir ensemble à un système le plus efficace possible. Voilà. Merci pour cette présentation. Est-ce que ça amène des questions? Pas de questions? Oui, monsieur Audelet. Quand même une question concernant la zone couverte par le décalement. Je dois dire que je ne saisis pas très très bien. Je vais la remettre pour que tout le monde... Parce que tu as parlé d'une zone concentrée là autour de Louvain-la-Neuve et puis de la banane jaune clair. Oui. Alors, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Mais, donc, je vais poser une question très claire. Oui. Un cas pratique.
Une personne qui habite dans le lotissement de la Chapelle aux Sabots, tout le monde sait qu'il est fort isolé là, au-dessus entre Moustier et Sérou, et qui veut participer à des activités au centre sportif de Bloquerie, entraînement de basket, aller à 7h du soir. Il peut utiliser la... Ah. Oui. Donc, actuellement, et donc pendant les 6 premiers mois, on s'en tiendra au territoire actuel, et donc ce territoire ne sera pas couvert. Pour le futur, donc à partir de... En fait, dès janvier... OK. Donc, il va jusqu'au Mousti, et a priori, il ne va pas jusqu'à la Chapelle aux Sabots. Ça va ? Alors, est-ce que ça veut dire que pendant les 2 ans, ce territoire est figé ? Non. Et comme nous, parmi les partenaires, nous sommes quand même encore celui qui paye le plus, on sera... on va travailler avec le TEC, parce qu'on n'a pas assez d'expérience, pour à la fois agrandir le territoire le plus possible, mais ne pas rendre le service inefficace. Je prends un exemple caricatural pour bien comprendre. On pourrait dire que ce serait super d'aller jusque Bruxelles. Mais si on va jusque Bruxelles, il y aura un trajet pour aller à Bruxelles et revenir. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a aucun autre service qui peut être apporté au territoire. C'est exactement la même chose. Chaumont-Gistoux, au début, ils avaient dit « Ok, mais on veut toute notre commune. » Mais ça, c'était aller beaucoup trop loin au bout de Chaumont-Gistoux. Et pendant qu'on va au bout de Chaumont-Gistoux, forcément, on ne sait pas aller à Cour-Saint-Étienne pendant ce temps-là. Et donc, toute la question, ça va être agrandir le territoire le plus possible, tout en restant efficace. Et donc, par exemple, on se dirige sans doute, mais là, je suis dans la prospective et il n'y a absolument aucune décision qui est prise. L'idée, c'est probablement, je suis prudent, probablement, de faire des circuits virtuels, c'est-à-dire, normalement, de telle heure à telle heure, on passe par Cour-Saint-Étienne, Beaurieu, et on revient. Et si la navette fait ça à ce moment-là, elle n'accepte pas un trajet, entre-temps, à Louvrange, parce que Louvrange, ça sera une autre boucle. Et là, l'idée, c'est vraiment de passer dans la boucle et d'être transport à la demande, c'est-à-dire, on va éventuellement chercher quelqu'un chez lui ou à un croisement, etc. L'idée, c'est, étant donné qu'il y a une boucle, du coup, il y a une plus grande chance de pouvoir mettre plus de personnes dans le véhicule. Voilà, ça, c'est les 2 ans qui vont nous amener à ça. Je vous demande, Madame Kézin. Oui, juste une confirmation. Donc, en affaires générales, je parlais de pouvoir aller et revenir à la clinique. Actuellement, ce n'est pas couvert dans le circuit. Centre de Clunes, vous voyez, dans le petit rond, sans hôtel de ville, centre de ville, clinique Saint-Pierre. Ça va ? Oui. C'est couvert et ça a même été mis dans la convention explicitement. Qu'il pouvait y avoir un deuxième pôle, et on a clairement dit pôle, gare, clinique, Odin. Et, okay. Et sachant que ça intéresse tout le monde, hein, ça intéresse des gens de Louvrange, etc. Donc, Merci pour les explications. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Et le reste est pour. Merci beaucoup. Je passe au point de Madame Frazel. A priori, il n'y a pas de questions sur les points 25 à 27. Pas de questions. Je vous propose donc de voter les 3 points ensemble. Il s'agit de la modification, la deuxième modification budgétaire de la fabrique d'église Notre-Dame de Mousty, du budget 2023 de la fabrique protestante évangélique de Wavre et de la subvention aux partenaires du plan de cohésion sociale. Donc les 3 points ensemble, si ça vous va. Qui vote contre ? C'est délicat ? Eh bien, on vote le 25 séparément alors. Donc la deuxième modification budgétaire de la fabrique d'église Notre-Dame de Mousty. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions, si je compte bien. 7 abstentions. Merci. Les 26 et 27 ensemble, c'est OK ? Oui. Qui
Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Et le reste est pour. Merci beaucoup. Oui, monsieur Hautelet. Juste faire une petite remarque. On a voté, pas de problème, mais pour une prochaine fois, au point 27, logiquement, devait se trouver dans le dossier la déclaration de créance et les pièces comptables relatives à 2022. Et il ne s'y trouvait pas. Donc, bon, on a voté en vous croyant sur parole, mais on n'avait aucune pièce justificative à notre disposition. On fera la remarque à l'administration qui a préparé le dossier. Merci de l'avoir constaté. On passe au point de M. Delvaux. Je crois que vous avez une petite présentation, M. Delvaux. Oui, monsieur, merci. Courte, n'est-ce pas ? Maître. Oui. Ça concerne le plan de gestion des bois communaux et plus particulièrement du bois de l'Escavé. C'est une mise à jour d'un plan que nous avons voté ici au Conseil communal en 2017. Alors peut-être rapidement pour situer le bois de l'Escavé. Donc nous avons ici la chaussée de la Croix et nous montons l'avenue des Justes pour aller vers la Nationale 250, quartier du Beaulois. Vous avez ici le centre sportif de Mister et au milieu vous avez ce qu'on appelle le bois de l'Escavé. Et techniquement, en fait, il y a même 2 morceaux. Parce que dans le bas, c'est le bois de la Croix, et puis vous avez ici le bois de l'Escavé. Alors l'historique de ce bois, bon, d'abord il est là depuis des années, des centaines d'années, mais entre 2001 et 2007, la ville a acheté plusieurs portions de ce bois. En 2011, elle a lancé le projet d'école en forêt, donc l'école de la Croix qui est toute proche, qui a directement commencé par la restauration d'un verger, on a créé une mare. En 2015, on a signé la charte PEFC, qui est donc une charte avec un engagement d'une gestion durable de ce bois et d'autres bois communaux. C'est un bois dans lequel il y a beaucoup d'activités. Donc en 2015 et en 2020, il y a eu des plantations citoyennes et coordonnées par la Société Royale Forestière de Belgique. Il y a un parcours didactique qui a été créé. Mais en 2020, bon, il y a beaucoup aussi de promeneurs, c'est très chouette. Et en 2020, on a eu un audit par rapport au label PEFC. Et c'est un audit sur lequel on a reçu le feu orange, c'est-à-dire quand même quelques remarques par rapport au fait que le bois était fort utilisé et à certains endroits, certains éléments naturels commençaient à disparaître. Et le mise à jour du plan de gestion qu'on propose ici a 2 objectifs. Permettre au bois de se régénérer, en tout cas à certains endroits, tout en, deuxième objectif, continuant à accueillir des activités pédagogiques de l'école, des loisirs, des riverains, etc. Et donc, on a un plan d'action avec 8 actions. Donc, ce qui va se passer, c'est que certains chemins secondaires qui, en fait, ont été créés de par le passage vont être fermés. On va les signaler clairement. La deuxième action, c'est qu'on va réaliser une carte des chemins autorisés pour que tout le monde soit bien au courant de qui peut faire quoi, qui peut aller où, également vis-à-vis de l'école de la Croix ou d'autres écoles qui fréquentent le bois. Nous avons d'ailleurs une très bonne discussion avec l'école de la Croix. On va communiquer aux usagers, on va fermer une partie du bois, je vais montrer dans un instant la carte, on va définir les zones où aucun passage ne sera plus autorisé, les marquer visuellement, notamment aussi pour que les élèves voient bien, ils peuvent jouer et ils ne peuvent pas jouer. Il y aura un planning de visite par les classes de l'école et on va aussi respecter le code forestier puisque quand même on remarque qu'il y a des courses d'orientation ou des VTT qui passent un petit peu partout dans le bois. Et donc la nouvelle carte de gestion, elle est comme ceci. Donc vous avez la carte ici avec la même orientation que je vous ai montrée, donc l'avenue des Justes. Donc l'école de la Croix est de ce côté-ci. En général, elle accède au bois. Et puis là, ici, c'est un endroit où les enfants ont été beaucoup fréquentés ces derniers temps. Mais donc, si vous y allez, vous voyez quand même que le bois a été fort impacté par ces pratiques. Et donc, on va définir des zones dans lesquelles l'école peut aller, donc des zones autorisées, qui sont même plus grandes que celles d'aujourd'hui. Donc, de ce côté-ci, etc. Ils ont ici le canapé. Enfin bon, ils vont s'y retrouver. On a tout discuté avec l'école. Et donc, en fait, ça ne limitera pas ou ni réduira l'accès de l'école au bois. Simplement, ça réorganisera selon un peu un système qu'on dit de jachère. Donc, peut-être que dans quelques années, on définira d'autres zones d'interdiction et d'autres zones d'accès. Vous voyez ici, en mauve, on va bien... certains sentiers vont être marqués. Les sentiers en orange vont être fermés. Enfin, fermés. On va indiquer pour qu'on puisse ne plus passer par ces éléments-là, par ces passages-là. Et donc, l'optique, c'est clairement de laisser au bois l'occasion de se régénérer tout en permettant l'accès
des riverains, des écoliers et de toute une série d'autres pratiquants. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que ça amène des questions? Alors, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Le reste est pour. Merci beaucoup. Les points de M. Ben El Mostafa. Au point 29, a priori, il n'y avait pas de questions. Il s'agit de la limitation de l'enveloppe budgétaire de la nouvelle piscine avec une mise à jour qui a déjà été explicitée largement, publiquement et en commission technique. Donc, s'il n'y a pas de questions, je propose de voter ce point. Qui vote contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Le reste est pour. Merci beaucoup. Le point 30, je vais passer la parole à l'échevin pour une brève présentation, vu qu'il y avait une question. Merci, Madame la Bourgmestre. Donc, le point 30, donc, c'est le projet RENOAT, donc la rénovation énergétique à réaliser dans certains bâtiments communaux pour approbation, et donc la mise à jour de la nouvelle liste qu'on va vous présenter aujourd'hui, et aussi la révision, bien entendu, de ces projets-là. Donc, j'attends juste un petit tableau pour vous faire un petit récap des montants estimés. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez? Ok, super. Donc voilà, nous avons eu une première liste approuvée au Conseil communal du 26 janvier 2021. Et c'est une colonne avec UREBA, donc les subsides UREBA déduits. Hein, Rénorat avait déjà calculé les subsides UREBA, à savoir pour les bâtiments centres culturels B1, B2, les bâtiments administratifs en face ici de l'hôtel de ville, la plaine des Coqueries, l'école de Bloquerie, la ferme du Douer et l'école de Limoges. Je passe les montants, on arrive à un total de 5 200 000 euros, donc j'arrondis. On a remis une autre colonne parce que après le 30 mars 2021, on a décidé ici au Conseil d'intégrer les façades du centre culturel pour un montant donc, qui passait de 739 000 euros à 1 800 000 euros. Les autres montants restent les mêmes, il n'y a rien qui bouge. Le projet, on a mis aussi des montants avec les projets UREBA non déduits, hein, donc les projets sans déduction du subside UREBA, vous les voyez ici. Là, on arrive à une enveloppe globale de 7 200 000 euros TVAC. Alors, les estimations en 2020, comme vous le voyez ici, on est passé des 6 projets, on est passé à 6 projets, à 3 projets, pardon. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que la ferme du Douer, comme l'école de Limoges, nous avons eu un refus de la WAP, de l'agence wallonne du patrimoine, pour toucher aux façades et mettre de l'isolation. Entre parenthèses, l'école de Limoges tombait bien parce que nous avons aussi un projet de travaux global à l'école de Limoges. On attendait le subside ferme et définitif de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'on a eu. Et donc, les travaux ont commencé le 1er octobre. On est en plein dedans. La ferme du Douer, on l'a retirée, comme je vous l'ai dit, pour la WAP. Et le B1, B2, nous avons retiré l'estimation de 372 000 euros. Nous avons estimé d'enlever cette dépense. On s'est dit, comme tout monde, les révisions arrivent, ici arrivaient, donc on s'est dit, on sacrifie le B1, B2, et donc on l'a retiré du projet. Par après, l'estimation 2022, comme vous le savez, révision oblige, Madame la Bourgmestre vient de parler de la piscine, ici, bien, c'est la même chose pour les bâtiments communaux, à savoir le centre culturel façade comprise à 3 172 000 euros, estimé en 2022. Les estimations ont été travaillées avec le bureau d'études, ici Bâtiment Énergie, avec la collaboration de RENOAT, qui, je tiens à signaler, sont d'une expérience forte au niveau des prix des matériaux. La plaine des Coqueries passe de 961 000 euros à 2 192 000 euros, mais là, il faut savoir que les façades devaient rentrer dans les cahiers des charges pour avoir le subside PRR, plan de relance et de résilience. On arrivera après pour les subsides. Donc, il faut savoir aussi que la plaine des Coqueries, c'est une rénovation complète du bâtiment, l'enveloppe complète pour un quasi QZEN, quasi zéro en énergie. L'école de Bloquerie, comme vous le voyez, passe de 3 400 000 euros d'estimation à 5 300 000 euros
d'estimation aussi. Donc, c'est toujours des estimations. Et là, on arrive à un budget total de 10 740 000 euros. À l'époque, quand on est passé au Conseil le 26 du 1, ben, on avait à ce moment-là juste un subside global pour l'école de Blocherie. On devait encore aller faire la chasse aux subsides. D'ailleurs, monsieur le conseiller Bidoul, vous m'avez demandé est-ce que vous allez chercher des subsides. Les services ont travaillé, vous le voyez ici sur le tableau. Nous avons 732 000 du REBA exceptionnel pour l'école de Blocherie et on attend encore un autre subside, on croise les doigts, pour le FBE SOS. Et nous avons aussi des subsides PRR, plan de relance et de résilience, pour un montant de 1 954 000 euros pour le centre culturel ici d'Otigny et la plaine des Coquerets aussi d'1 608 000 euros. Donc, plan de résilience, un montant total de 3,5 millions, le subside du REBA exceptionnel de 732 000 euros. Donc, ça, c'est un total de 4 200 000 euros arrondis. Les dépenses ville par ville, 1 200 000 euros pour le CCO pour la part ville, en enlevant les subsides, on arrive à 1 200 000. Pour la plaine des Coquerets, 583 000 euros, toujours en estimation, bien entendu, et l'école de Blocherie, 4 600 000 euros. Ce que donne une enveloppe budgétaire totale pour les trois bâtiments côte par ville de 6 445 000 euros. Merci pour ces explications, monsieur Bidoul. Merci, monsieur Légevin. Je trouve quand même dommage qu'on n'ait pas eu ce tableau dans le dossier ici, parce que ce que nous avons reçu, c'est un tableau récapitulatif revoir un petit peu certains bâtiments. Bon, moi, quand je vois des chiffres de 10 740 000 euros par rapport à une estimation 2 ans plus tôt à 6 499 000, j'ai le droit de me poser des questions. D'accord ? Or, ici, vous avez un tableau qui est relativement complet. Je me demande, premièrement, ces estimations qui sont revues à la hausse et de l'ordre, pour certains bâtiments, de 50%, c'est dû à quoi ? Vous n'allez pas venir me dire que c'est l'augmentation, c'est la crise énergétique qui a fait que sur 2 ans, on ait de telles augmentations. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous parlez, j'ai bien reçu votre note cet après-midi, c'est très bien. Et moi, je constate quand même une chose, c'est que tant la commune de Rixensart que la commune de Braine-l'Alleud, ils ont résilié leur contrat avec Rénovat, parce qu'ils y ont cru bien fort au départ, et puis ils n'avaient pas de réponse à leur question. Et une des premières questions qu'ils leur ont posées, et ils n'ont toujours jamais reçu de réponse, de toute façon ils ont résilié, et nous avons déjà posé la question en 2020, qu'en est-il du temps de retour de l'investissement ? Là, on a posé la question, on n'a toujours pas, sur les chiffres de 2020, alors qu'est-ce qu'il en est maintenant en plus ? Avec une estimation qui avoisine beaucoup plus qu'initialement. Alors, moi, je me demande, j'ai suivi les cours en 80, la commune m'a fait suivre les cours, en gestion d'énergie des bâtiments publics. La première chose qu'on nous a inculquée dans nos études, c'est le temps de retour. Le temps de retour d'un investissement, dès l'instant où vous passez entre 10 et 15 ans, ce n'est plus rentable. Or, ici, avec ces investissements, on va arriver à des temps de retour qui vont être franchement explosifs. Alors moi, j'attends que vous nous donniez une réponse sur les temps de retour par rapport à ces investissements. Dernier élément auquel je voulais, c'est une parenthèse, c'est par rapport à la fresque qui se trouve ici sur le centre culturel. Donc, on a dépensé de l'argent pour faire des fresques un peu partout sur Otigny, des pignons de maison, des tunnels à Louvain-Neuf. C'est très bien, j'y adhère. Mais ici, on a une fresque qui est quand même, je vais dire, historique, qui reprend toute l'histoire et le folklore de la ville d'Otigny-Louvain-la-Neuve et qui est là depuis 30 ans. Donc, on va masquer ça avec un isolant extérieur. OK ? Vous me dites, ce n'est pas possible techniquement. Ça, je n'y crois pas. C'est un voile en béton, donc je pense qu'on s'est isolé de l'intérieur. Et maintenir cette fresque, voire la restaurer, plutôt que de l'éliminer, c'est quand même quelque chose
qui est historique. Et moi, je serais quand même favorable qu'on puisse maintenir cette fresque. Donc, voilà. Et j'attends, je ne sais pas quelle va être ma position ici au niveau du vote. Je suis excessivement sensible aux économies d'énergie et à l'empreinte carbone, ça c'est une évidence. Mais ici, je pense qu'on est de nouveau un peu dans le flou, on ne sait pas où on va, et je pense que je vais m'abstenir sur ce point, tout en étant excessivement, je le répète, excessivement favorable aux économies d'énergie et à l'empreinte carbone. Voilà, je vous remercie. Monsieur Léchevin ? Ah, monsieur Hautelet. Merci, Madame la Bourgmestre. Mais moi, je vois que vous vous êtes vachement bien débrouillé pour essayer d'obtenir des subsides de tous les côtés. C'est très bien pour ce qui concerne le centre culturel et pour ce qui concerne la plaine des Coqueries. Ça permet d'atténuer quand même sérieusement le choc des augmentations. Mais moi, je me plais toujours à rappeler que les subventions, elles viennent toujours aussi de la poche des contribuables, hein, même si c'est du fédéral, de la région ou de toute autre institution. Voilà. Et que de telles évolutions de coûts sont quand même terriblement interpellantes. Voilà. C'est un constat, hein, je ne vous critique pas, c'est un constat. Mais maintenant, il y a, concernant l'école de Bloquerie, je vois qu'on est toujours à 4 642 000 euros d'intervention communale. Là, franchement, ça m'interpelle. Parce que, finalement, c'est pour faire de la rénovation. Est-ce que finalement on arrive à un montant qui correspond à peu près au prix d'une nouvelle école, si j'ai bien compris? Mais 4 642 000 euros, non? Non? On est encore nettement en dessous? Je rêve alors. Mais alors, autre question aussi, est-ce que vous allez avoir accès au taux d'intérêt privilégié du Fonds des bâtiments scolaires pour faire ça ou pas? Est-ce que vous allez avoir accès au taux privilégié du Fonds des bâtiments scolaires pour faire ces travaux-là? Moi, personnellement, je répondrais non, mais on n'a pas... Non. Ce serait logique. Non. Non. Donc, d'autres réponses aux questions? Alors, pour répondre à M. Bidoul, les révisions, ben oui, c'est l'estimation des coûts des matériaux, de l'énergie, c'est-à-dire le carburant, mais ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre mis à part ça. Et ça a été étudié et réétudié par Rénovat et par le bureau d'études. Maintenant, c'est une estimation, c'est pour ça qu'on lance un marché. On verra, comme vous le savez, l'ouverture des enveloppes, et je l'espère qu'il y en aura, d'accord ? Et à ce moment-là, on verra le coût final après négociation. Mais ce n'est que les révisions et le coût de l'énergie. Oui. Ça, c'est pour votre... Permettez, j'ai une demande à vous faire aussi. Est-ce que, quand le dossier sera figé, est-ce que ce serait possible que Rénovat vienne au conseil communal nous expliquer le dossier? Je sais que ça prend du temps, mais bon, ils peuvent venir expliquer un petit peu tous leurs tableaux et tous les investissements et les temps de retour pour ça. Je ne sais pas, je pose la question. Peut-être pas je pourrais organiser une commission où Rénovat pourrait venir expliquer effectivement le dossier en long et en large. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. Non, si, il y avait encore d'autres questions. Tu en ajoutes une? Pas vraiment une question, juste une petite remarque. Voilà, on a chacun droit à avoir nos avis. À titre personnel, moi, je comprends que la fresque, elle puisse disparaître à un moment donné pour des besoins qui sont autres et qui ont été identifiés. On savait que cette fresque avait une durée de vie qui était relativement limitée. C'était connu au départ. Et donc, tout le monde a pu en profiter. Je sais que le Centre culturel fera en sorte qu'elle puisse, en tout cas, perdurer autrement, en tout cas dans des archives. Mais je voulais juste préciser mon avis par rapport à ça, puisqu'on a chacun droit à avoir un avis.
je vais repasser la parole à l'échevin qui n'avait pas encore eu l'occasion de répondre sur cette question-là, mais qui va du coup amener certains éléments. Merci, madame la bourgmestre. Je vais essayer de continuer et répondre jusqu'au bout maintenant à monsieur Bidoul. Monsieur Bidoul, concernant le temps de retour investissement, on avait fait un travail quand on avait présenté le point lors du conseil communal. Oui, on avait fait un travail sur le temps d'investissement, effectivement. Ici, le temps d'investissement, certes, il doit être calculé. Mais ici, monsieur Bidoul, monsieur le conseiller, trois bâtiments communaux datant de presque 40 ans de vie. 40 ans. N'est-ce pas le moment d'investir? C'est vrai que nous sommes dans un moment où il y a une crise, où il y a des révisions. Mais ces bâtiments ne peuvent plus durer comme ça. Ce n'est plus possible. Pour la bonne et simple raison que les rustines qu'on met là pour le moment vont nous coûter plus cher si on continue encore à attendre. Attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va nous coûter encore plus cher. Les bâtiments sont arrivés fin de vie. Il faut une rénovation globale de ces bâtiments. Il faut une rénovation énergétique Cusen. N'oubliez pas, nous sommes sur du Cusen, quasi zéro énergie. C'est l'enveloppe globale. La toiture, les panneaux photovoltaïques, les façades, les châssis et autres. Nous devons investir dans nos bâtiments. Ça, c'est trop. C'est fini. On est à 40 ans. On n'a plus le choix. Je vais réparer. Nous allons réparer une fuite sur la toiture du centre culturel. Deux semaines après, c'est un mètre plus loin. Ça, c'est un. Deux, l'énergie n'arrête pas de flamber. À l'époque, on s'est lancé dans la biomasse. On a crié, on a dit la biomasse, mais on va. Mais je suis heureux d'avoir, nous sommes heureux d'avoir la biomasse à ses roues, qui alimente la salle, l'appartement, la conciergerie, l'école. Et la facture fait ça. Deux, le climat, où on va. Il faut avancer pour le futur de nos enfants. Il faut émettre moins de gaz à effet de serre ici sur le territoire d'Ottigny-Louvain-la-Neuve. Nous devons avancer là-dessus et nous devons apporter des solutions. Ici, malheureusement, le prix augmente dû aux révisions. Et un dernier élément. Vous savez, les utilisateurs de ces bâtiments, parfois moi je suis gêné de les entendre. Parce que franchement, chapeau ces gens-là, parce qu'ils mordent sur leur chic. Ils savent qu'il y a des contraintes budgétaires. Ils attendent qu'on intervienne, parce qu'il n'y a pas qu'eux. Et je trouve aussi que c'est un respect envers ces utilisateurs-là. Et le centre culturel, le centre culturel a fait son âge. Il doit être rénové, il doit être innové, il doit avoir une autre entité, une autre identité, etc. Donc le temps de retour, monsieur Bidoul, moi je veux bien... Je sais que je dépasse les 20-25 ans de temps de retour. Je sais que, entre guillemets, on est perdant sur le temps de retour. Mais non, on n'est pas perdant. Croyez-moi. Parce que c'est tout à fait la même chose que la piscine. Beaucoup de gens nous diront, mais pourquoi vous n'avez pas rénové les anciennes piscines? Aujourd'hui, si on devait rénover les anciennes piscines, on serait entre 10 et 12 millions d'euros avec les révisions. Et maintenant qu'on fait une nouvelle, on gagnera sur tous les plans. Et ici, les bâtiments sont vieux, ils sont ce qu'ils sont. Et j'espère vous avoir convaincu pour changer l'abstention en pour. Ça me ferait énormément plaisir. Merci. Par rapport à la fresque, il y avait un mot d'explication. Excusez-moi, oui. Alors, pour la fresque, Nancy a déjà dit, et je la rejoins à 100%, moi, en termes, je parle bâtiment, et je fais des bâtiments. L'isolation de l'enveloppe, je ne pourrais la faire de l'intérieur. Je suis dans l'obligation de faire l'enveloppe extérieure avec la nouvelle façade, la nouvelle architecture. Je ne peux pas faire ça de l'intérieur. C'est tout à fait autre travail, c'est tout à fait un autre montant, mais je comprends bien pour la fresque. Ça, c'est pour l'aspect échevin des bâtiments. Et la fresque a fait effectivement son temps, même si ça devient de l'historique, mais l'historique ne peut pas freiner non plus d'autres projets ici.
rénover l'ensemble des façades sauf celle-là, ben, c'est laisser un trou et laisser passer toute l'humidité et autres, et ça pètera de nouveau les autres murs, etc., etc. Donc oui, ça peut être historique, oui, ça peut faire mal de voir la fresque partir, mais j'entends et Nancy le dire ici qu'il y a d'autres idées pour laisser cet aspect historique, etc. Mais en tant qu'échevin des bâtiments, je ne pourrais donner espoir à la fresque d'y rester, malheureusement, parce que je dois faire l'enveloppe globale du bâtiment. Je vous remercie. Merci, monsieur Echevin. J'ai vu qu'il y a une question de madame Dany, mais je voudrais d'abord donner la parole à l'échevin de la culture sur cette question de fresque. Oui, pour la fresque, monsieur Bidoul, malheureusement, vous n'étiez pas là à la section technique, donc je vais, pas de souci, je vais simplement répéter des choses, désolé pour ceux qui les ont déjà entendues. Attention à rendre intouchables des choses qu'on fait sur les façades. Parce que, dans ce cas-là, plus aucun particulier n'acceptera de faire une fresque sur son mur si après on lui dit « Ah mais non, cette fresque, elle est super, on ne peut pas y toucher. » Ça, c'est la première chose. Donc, voilà. Alors, l'auteur de la fresque, M. Rahir, avait espéré que sa fresque dure 30 ans, on y est arrivé, donc du point de vue de l'artiste, il a été respecté. Ceci dit, c'est un travail qui a beaucoup plu, en tout cas à certaines personnes, à un moment donné, et donc il faut qu'on garde une mémoire, Nancy Schroeder s'en a déjà parlé, et donc ça, on va s'y atteler, à garder une mémoire, parce que c'est voilà. Ceci dit, du point de vue, et là, le président du Centre culturel veut compléter, il n'hésitera pas à demander la parole, mais... du point de vue de l'utilisation du centre culturel, il manque un espace entre la scène et le fait de pouvoir amener les choses. Le garage va être utilisé pour la biomasse, et donc en fait le centre culturel, ils espèrent pouvoir récupérer le terrain pour avoir un accès de l'extérieur à la scène et toute la gestion beaucoup plus facile. Donc du coup, on serait de toute façon venu mettre un bâtiment. Par contre, ce que je pense qui est une bonne politique, c'est de se dire « Ok, la fresque disparaît, et on s'arrange pour garder la mémoire de cette fresque, mais quelque chose d'autre pourra venir. » Et là, j'attire votre attention sur le côté fresh paint à Louvain-la-Neuve et Ottigny. C'est qu'à un moment donné, une fresque est remplacée par une autre. Et le dernier élément, c'est Ruelle de la Lanterne Magique. Donc quand vous venez des bâtiments de droite, place Montesquieu, et que vous allez vers la Grand Place par la Ruelle de la Lanterne Magique, vous avez encore un bout de fresque à côté de l'espace de l'auditoire doyen. Enfin et tout le reste, on a mis un bâtiment sur une fresque de Rahir qui existait à l'époque. Et pendant pas mal de temps, on a pu profiter de cette fresque, tant mieux pour nous. Et puis à un moment donné, on est venu construire le théâtre Jean Villard. Vous avez Fresh Paint là en bas. Un jour, des bâtiments viendront. Mais pendant au moins tout ce temps-là, on a fait quelque chose et ça a bougé et c'est côté positif. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si je prends les choses dans l'ordre, j'avais oublié qu'il y avait une demande de M. Delvaux. Avec le micro, alors. Jusque Madeleine, effectivement, m'a demandé s'il y avait des éléments à compléter. Donc, effectivement, je confirme tout à fait ce que Madeleine a dit par rapport aux fresques et à l'artiste. Juste un élément. Donc, effectivement, en 1993, quand la fresque est apparue, donc effectivement, elle aura 30 ans l'année prochaine, il était déjà question de construire sur ce petit terrain. Donc, on n'a jamais perdu de vue que c'était une fresque qui avait une vocation éphémère. Et effectivement, je confirme que le centre culturel manque d'espace de stockage et qu'il y a une volonté à terme. Ce n'est pas dans le projet ici et ce n'est pas lié aux façades, donc c'est plus long terme, mais il y a une volonté de pouvoir créer un espace à cet endroit-là pour pouvoir stocker du matériel. Et donc, c'est une réflexion qui est en cours. Au niveau du centre culturel, on a bien été sensibilisé par rapport à l'aspect émotionnel du fait qu'on s'est rendu compte, pour certains en tout cas, que la fresque allait disparaître. On a aussi reçu des courriers qui nous disaient « c'est tant mieux parce qu'elle est délabrée, elle vieillit, il faut effectivement la changer ». Donc il y a vraiment les deux points de vue, mais on comprend vraiment le ressenti et l'émotion, et on a la volonté, et c'est déjà une demande que j'ai faite au directeur du centre culturel, c'est de travailler sur des pistes pour qu'elle puisse perdurer d'une manière ou d'une autre. On a évoqué par exemple un reportage photo qui est une exposition permanente dans le hall ou ce genre de choses. En tout cas, elle ne disparaîtra pas complètement.
Oui, merci. Alors, moi, je voulais juste revenir sur le temps de retour, la discussion. Au point 29 précédent, on a voté 4,6 millions de dépenses, hein, donc 1,6 de plus. Et ici, on vote 6,4 millions. Donc, ça veut dire que là, on fait 2 points sur 11 millions. Hein, j'attire l'attention parce qu'il y a parfois des discussions sur 1 000 euros. Et si on vote 11 millions, ça veut dire un tiers de notre budget extraordinaire de la mandature. Donc, clairement, on est à un moment clé pour moi de la mandature. Et donc, les chiffres sont grands, ils sont élevés, bien sûr. Mais le financement, il est là. Hein, donc, et moi, je sais bien que M. Ben El Mostafa, avec tout le collège, travaille énormément pour que ces projets soient le mieux possible, le mieux réfléchi. Moi, je suis un peu perturbé par la question que vous posez par rapport au temps de retour. Enfin, on sait tous que le prix d'énergie augmente. Aujourd'hui, c'est x4 et on vous dit que le projet coûte 50% de plus. Alors, le temps de retour, il est accéléré et pas un peu. Allez, quand on regarde le budget énergie du centre culturel, c'est 60 000 euros par an, entre 60 et 70, 80 000 euros. On va faire x4, 240 000 euros. Ici, l'investissement qu'on va faire, subside déduit, enfin, soyons un peu égoïstes, regardons le montant qu'on y met, c'est 1 200 000. Donc, le temps de retour, je pense qu'il peut être très, très rapproché. Alors, s'abstenir, c'est reporter le projet. Réfléchissez bien. À un moment donné, il faut se lancer. Et on doit se lancer, on doit avancer. On sort d'une COP27 absolument désastreuse et nous, on ne doit pas répliquer la même chose. S'abstenir, ça veut dire que vous redemandez au collège de retravailler le projet et d'attendre que les prix augmentent encore et de rester passif et d'attendre et de dépenser sans en avoir le retour. Voilà ce que je voulais juste dire par rapport à cet élément-là. Merci. Donc j'ai Madame Dany et puis Monsieur Malveau. Oui, merci. Ben moi, j'entends bien les problèmes techniques et les problèmes que Monsieur Mostafa, Ben Mostafa évoque. Mais j'ai envie de rebondir sur la remarque, la réflexion de M. Debert. Il faut garder un devoir de mémoire. Et le président du Centre culturel en a aussi parlé. Et j'ai une proposition tout à fait concrète. Il était question aussi, puisque tout change, même le nom du Centre culturel, dans les pistes de réflexion, de proposer... de mettre le nom de l'artiste, donc Rahir, qui est quand même un grand artiste du Brabant wallon, d'appeler le centre culturel le centre Rahir. Voilà, c'est une proposition mais qui mérite d'être étudiée, je trouve. Merci pour la suggestion. Monsieur Malveau. Merci pour toutes les explications et celles de Monsieur Delvaux maintenant. Mais je pense que je voudrais simplement poser une question. Est-ce que par rapport aux montants engagés qui sont vraiment très très importants, moi c'est pas la valeur absolue du montant, c'est pas la nécessité de devoir faire des économies d'énergie et d'être sensible au bilan carbone, tout le monde est d'accord là-dessus, je pense qu'on est d'accord. C'est le pourcentage en fait du montant par rapport à la valeur vénale des bâtiments et par rapport au fait justement que ce sont des bâtiments qui sont très anciens. Est-ce qu'il est raisonnable et est-ce que l'exercice a été fait pour certains bâtiments, on ne peut pas le faire pour tous, de voir si tant qu'à investir des millions et des millions, l'enveloppe explose. Effectivement, il ne peut pas parfois être plus intéressant d'investir encore plus de millions, mais d'avoir un bon bâtiment. Ici, on ne va peut-être pas mettre des toutes petites rustines, on va peut-être en mettre des grosses, mais fondamentalement, on ne va pas non plus améliorer totalement la structure des bâtiments. Et donc, on demande de faire des dépenses énormes pour des bâtiments qui sont anciens. Est-ce que l'exercice a été fait en termes de différentiel d'investissement sur le long terme par rapport à ça? C'est simplement ça, c'est que rénover, mettre 10, 15, 20, 30% d'accord, mais quand on met peut-être 40 ou 50%, est-ce que ça, réellement c'est ça qui vaut la peine? Monsieur Lechevin. Oui, merci. Merci pour votre question, monsieur le conseiller. Donc, effectivement que ça a été aussi étudié et que si on met ce montant-là, c'est que le bâtiment en vaut la peine. La structure est bonne. La structure peut supporter encore des années d'existence. Et ici, ce n'est pas enlever une petite rustine pour mettre une grosse. Hein. C'est vraiment faire une rénovation complète de l'enveloppe, mis à part le carrelage à l'intérieur du centre culturel ou de l'école ou que sais-je, à l'intérieur du bâtiment, tout le reste sera rénové et remis à neuf, tout simplement. Ça sera remis à neuf, c'est clairement ça. Donc on peut investir ce montant-là, les bâtiments en valent la peine, et alors réfléchir peut-être de dire... Bah, au lieu de mettre ça et faire une rénovation, mettons carrément une construction.
hein, ben ça, un, ça va coûter énormément d'argent, et si nos bâtiments permettent encore une vie bien plus longue, pourquoi aller jusqu'à à cette solution-là? Donc oui, les bâtiments permettent d'investir cette somme-là pour une autre vie. Bien, je pense que les explications sont données. Monsieur Bidoul, dernière intervention? Oui, c'est une simple intervention. Je voudrais quand même repréciser une chose, monsieur Desjouins, c'est que j'ai toujours été favorable en matière de gestion énergétique et des améliorations, tant pour ces roues qu'autre part. Donc, il ne faut pas s'y méprendre non plus. Moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était cette augmentation quand même importante des prix pour lequel bon, vous apportez des réponses, oui, mais je voudrais bien quand même avoir une confirmation qu'il y a certainement autre chose que l'augmentation et la crise énergétique qui a fait augmenter du double le montant de l'estimation. Voilà, ok, mais je pense que les choses ont été bien expliquées. Oui. Ravi d'entendre que vous êtes favorable. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Deux abstentions, Caillot, et le reste est pour. Merci à tous. C'est un investissement important pour notre commune, je pense. On est en train de voter. On en reparlera à une autre occasion. Je vous propose d'avancer dans les points. Donc au point 31 de M. Benel Mostafa, a priori, il n'y a pas de commentaires ou de questions. Il s'agit du projet de l'école communale de Limoges et c'est un délai d'exécution supplémentaire. Si on peut voter, qui vote contre? Qui s'abstient? Deux abstentions, le reste est pour. Au point 32, à ma connaissance, il n'y a pas d'intervention non plus des travaux de mise en conformité du centre culturel. C'est l'approbation des concessions et du mode de passation du marché. Qui vote contre? Qui s'abstient? Toujours deux abstentions et le reste est court. Le point 33, je passe la parole à l'échevin pour une brève présentation. Merci Madame la Bourgmestre. Donc le point 33 appelle à la subvention 2022 pour la coopération au développement en vue de financer des projets mis en place au sud par des citoyens hautains-tois. Donc le comité de subventionnement se sont réunis. Les projets ont été présentés par les ASBL, leur association. Donc il y avait donc 5 projets. 3 projets ont été retenus, à savoir l'ASBL Crèche de Lille aux enfants de Goma pour un montant de 5 000 euros, 2 l'ASBL Proaction Développement de l'eau pour Pestel, construction de citernes d'eau collective à Haïti pour 3 000 euros, et le dernier projet, c'est l'ASBL HN Kikasa pour la modernisation d'un puits existant et installation de panneaux solaires pour électrifier le complexe scolaire Mère Teresa de Calcutta pour un montant de 2 000 euros. Merci, monsieur Léchevin. Il y a une question, je ne sais pas de qui, de Nancy. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque d'ordre général que vous allez beaucoup entendre, notamment le mois prochain. On est quand même très interpellés, nous, par ces subsides qui continuent et qui persistent. Alors, on sait qu'ici, il s'agit du subside 2022, qu'on termine le budget 2022. On voulait juste vous dire qu'on serait quand même très attentifs au budget 2023. Ma collègue Anne Chédron a déjà fait une intervention sur le point 12, sur le budget participation. Ici, on a encore un autre type de budget de ce type-là. On sait qu'il y en a plusieurs, chaque échevin a quasiment le sien. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Madame la Bourgmestre, je n'étais pas là, mais je l'ai quand même entendu, que ce n'était pas des gros montants, 30 000 euros, ce n'est pas des gros montants. Ici, on parle de 10 000 euros. Effectivement, ce ne sont pas des gros montants. Sur un budget communal, dès le moment où on enlève la charge, le budget de fonctionnement, quand on enlève le budget, la masse salariale, quand on enlève la police, le CPAS, donc toutes ces dépenses fondamentales d'une commune, ben finalement, ces petites dépenses-là sur le budget qui vous reste, elles ne sont pas si anodines que ça. Et donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix. J'ai entendu dire, je vous ai entendu dire tout à l'heure, et je vous pose la même question ici, oui, mais nous, on estime que c'est important. Oui, mais tout est chouette, et tout est important, et tout a du sens, et tout mérite d'être soutenu. Faire de la politique et gérer, à un moment donné, c'est faire des choix.
et on estime qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix parmi toutes ces dépenses et tout ce saupoudrage. Ok, les chevins ne souhaitent pas apporter de réponse particulière. On a entendu le commentaire de Madame Schroeders. Je vois Madame Dutu. Oui, je pense que si on voulait faire un bilan de budget participatif, ce n'est pas comme vous le faites qu'il faut le faire. C'est avec les retombées économiques et sociales qu'il y a de ces projets. Ils ne sont pas juste une dépense. Ils suscitent plein d'effets secondaires qu'il faudrait aussi calculer. Donc moi, je ne suis pas sûre du tout que votre raison purement de rationalité économique de très court terme soit suffisante pour analyser ce budget participatif. Pas sûre du tout. Donc, il faudrait faire une analyse systémique, si j'ose dire, et en tenant compte des retombées sociales et économiques. Et ça, je ne sais même pas si on a les outils pour le faire. Ok, c'est merci. Je vois Madame Schroeder et Madame Dany. Ah oui, excusez-moi, vous me tendez le bâton. Je suis désolée. Jusqu'à preuve des contraires, nous faisons partie de la minorité. L'analyse de l'efficience, c'est à la majorité et au collège de le faire. C'est le collège qui choisit de proposer l'octroi de ses subsides, c'est au collège de le motiver, c'est au collège de le justifier, c'est au collège de l'analyser et c'est au collège de présenter au conseil provincial les choix qu'il en fait. Nous, en fait, on estime qu'à un moment donné, en termes de crise budgétaire et au moment où les choix budgétaires vont devoir se poser, il va falloir faire des choix. Les choix, c'est à l'exécutif de les proposer, ce n'est pas au conseil. Madame Dany ? Oui, je rebondis sur ce que Nancy vient de dire. C'est vrai qu'on demande chaque année des évaluations du plan de cohésion sociale, de tous les subsides. On en a eu un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et comme le dit Nancy, ce n'est pas à nous à le faire. Merci. Je vous confirme que le collège pose bien les choix et le conseil communal et la majorité également. Et donc, nous analysons l'ensemble des choses. Nous avons bien réfléchi à ces choses-là avant de faire le budget 2023. Donc, soyez bien assurés que nous prenons nos responsabilités. Je vous propose donc de passer au vote sur ce point. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Le reste est pour. Merci beaucoup. Le point 34, il s'agit du procès-verbal de la séance du conseil communal. Donc, il doit être voté, hein, oui. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention, donc unanimité. Le point 35, ce sont les points pour information et communication qui ont été explicités en séance technique et c'est uniquement pour information. Il n'y a pas d'addendum à ce conseil, mais nous pouvons passer au quart d'heure de questions-réponses. Y a-t-il des questions ? Alors, je vais prendre dans l'ordre où j'ai vu Madame Chédron, puis Madame Van Capellen, et puis on verra si encore. Et puis Madame Cézin. Oui, bon, une petite question pour les chevins des bâtiments. Vous savez qu'aujourd'hui, la crèche Les Tournesols a fermé, donc ses portes, pour un problème de chauffage qui n'était pas conforme donc, aux normes de l'ONE. Donc, vous avez envoyé une équipe pour réparer donc, cette chaudière. Qu'en est-il maintenant à cette heure-ci ? Parce que demain, que vont faire les parents avec leurs enfants sur le dos ? Et vous dites qu'il faut que mettre des rustines ne sert à rien. Donc, que comptez-vous faire par après ? Merci. Ok, Madame Dany. Pardon, Madame Van Capellen, excusez-moi. Merci. Voilà, en fait, le 10 novembre dernier, les commerçants de la dalle ont envoyé une lettre aux autorités de la ville, aux bailleurs, au MIMVEST et à l'université. Alors, je crois qu'ils tirent véritablement une grosse sonnette d'alarme, car leur situation devient vraiment préoccupante. Voilà, effectivement, on est tous touchés, je crois, par leurs difficultés et on constate tous les jours ce qui se passe pour nos commerces. Alors, la question, c'est que pouvons-nous faire ? Quelle marge de manœuvre on a ici pour réagir à leurs lettres, à leurs demandes ? Merci. Je vais d'abord dire Madame Cézin, je reviens vers vous après, Monsieur Bidoul. Après, j'ai dit.
Mais on arrive, hein, je ne vous oublie pas. Et dédicacez. Je crois que vous n'avez pas vu M. Hotley aussi qui demandait la parole. Mais moi, je veux revenir chez l'échevin Jacob pour lui reparler des jardins du Petit Riz. Hein, le dossier remonte quand même au 10 mars. On avait délivré le permis pour l'abattage ou la condition de présenter un plan de replantation. On est à la Sainte-Catherine dans quelques jours. Je voudrais avoir enfin une réponse claire et précise par rapport à ce qu'on va replanter et si on va bien le replanter maintenant. Merci. Alors, je prends Jacques Hotley, puis Dominique Bédoul et puis Thomas Leclerc. Oui, merci. Mais moi aussi. C'est une question à l'échevin de l'urbanisme et c'est aussi un suivi réservé par le collège puisqu'il s'agit de la présence illégale de yourtes et de roulottes sur un terrain en zone verte à Limlet. Ces engins ou je sais pas, ces cabanes sont installées maintenant depuis des mois et des mois et des mois. Vous avez été interpellé à plusieurs reprises, vous nous avez dit que vous alliez veiller soit à régulariser la situation, ce en quoi nous étions sceptiques, ou agir pour que ces roulottes et yourtes, etc., disparaissent. Ça fait très longtemps maintenant. Où en êtes-vous, Monsieur Bédoul? Merci, Madame Labour. Moi, c'est une question, une demande pour l'échevin des travaux. On a réfectionné maintenant la rue des Deux-Ponts. Or, depuis des mois et des mois, sous le pont du chemin de fer, on a placé une fosse, je pense que c'est Belgacom pour du tirage de fibres optiques. Et c'est une cage en acier dont le couvercle, j'aime autant vous dire, fait un bruit énorme à chaque passage de voiture. Et Dieu sait s'il y a des véhicules qui passent par là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de remédier à cette situation, s'il vous plaît, pour le bien-être des habitants? Merci. Monsieur Leclerc? Oui, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, mais il y a une grosse polémique sur le remplacement des bancs de la gare du Nord. Nous avions des beaux bancs en bois confortables et ils en ont mis des bancs en acier totalement inconfortables. Mais avec quoi je viens ici? Ben, on vient de faire la même chose à la gare d'Otigny et les beaux bancs en bois sont jetés sur le côté. Donc, est-ce qu'on a une marge de manœuvre ou est-ce qu'on peut interpeller et encore sauver ce qui peut l'être, sachant que les autres quais n'ont pas encore été démontés, démolis? Voilà. La belle gare voudra bien être peut-être bien un banc qu'on peut récupérer. Et donc, énergie circulaire. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a des bancs super confortables en bois. OK. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Monsieur Benel Mostafa, par rapport à la question de Mme Chédron sur la fermeture des tournesols. Oui, donc effectivement, Anne, il y a eu une panne ce matin de chauffage. Les hommes ont été sur place pour travailler la journée. Je peux vous rassurer que demain, la crèche sera bien ouverte. La directrice a envoyé un mail. Et je pense que tu étais en copie. Tu l'as pas reçu. OK. Yep. Non, c'est bon. Tout est en ordre. Demain matin, la crèche sera ouverte pour accueillir nos petits bouts. Et par cette question, en tout cas, nous tenons à nous excuser du désagrément qu'il y a eu, mais voilà, c'est la mécanique. On n'est pas maître de la mécanique. Et monsieur le directeur général, de remercier aussi les hommes qui ont été sur place directement et qui ont été très réactifs et professionnels pour arriver à une solution vers 17h44. Merci. Merci. Alors, je vais passer la parole à Madame Frazel pour la question de Madame Van Kapelen pour les commerçants Louvain-la-Neuve. Ben oui, merci beaucoup pour cette question, parce qu'en effet, la situation des commerces est préoccupante. Elle est à Louvain-la-Neuve, mais elle est aussi à Otigny et d'ailleurs dans d'autres villes. Et je pense que les préoccupations seront plus importantes encore en 2024. Donc, on a évidemment bien conscience des difficultés. Et c'est pourquoi on est en discussion et il y a une préparation de réponses et de recherche de solutions ou de moyens d'action par rapport à ça, notamment lorsqu'il y a organisation d'événements où la ville pourrait renforcer son aide au travers de la co-organisation, renforcer aussi le soutien au commerce local parce que
le commerce local, ben, c'est, le bénéfice de l'attractivité est important pour eux, et donc le fait de, d'amener les clients dont on sait qu'ils auront un faible pouvoir d'achat l'année prochaine, mais tout de même de faire des choix et d'aller volontairement, plus volontairement vers le commerce local, c'est quelque chose d'important. Il y a des mesures qui peuvent être envisagées aussi, les aider à comment faire face à la crise énergétique, hein, qui représente beaucoup dans leurs dépenses. Et puis alors, faire connaître et valoriser différentes primes qui existent déjà ou d'autres qui se mettent en place du côté de la région wallonne pour faire face à des investissements et les aider dans le cadre de leurs investissements, notamment en matière d'énergie. Donc, voilà, la réflexion est bien présente et bien en cours, et nous restons en discussion, évidemment, avec les commerces. Merci, merci pour la réponse. Monsieur Jacob, pour les questions de Mme Quézin sur les jardins de Thierry et de Monsieur Audelet. Voilà. Concernant la hêtraie, donc à la Boisette, nous avions demandé donc à la personne, au gérant, de replanter, comme je vous l'avais dit. Entre-temps, le gérant nous a réécrit en disant qu'il mettait en cause la DNF, l'avis de la DNF, et la DNF proposait bien de replanter, et qu'il allait redemander l'avis de la DNF. Voilà. Donc, je pense qu'il bottait un peu en touche et qu'il essaie de gagner du temps. Entre-temps, on a recontacté la DNF, qui a bien reconfirmé ses premiers propos en disant qu'il faut absolument, on peut, pas absolument, mais on peut replanter malgré la présence de champignons. Et donc, on a réécrit, je n'ai pas la date exacte, mais vers le 5-10 novembre, donc, la personne des jardins des Petits-Ris pour lui dire qu'on attendait une replantation. Non pas fin novembre, on a laissé un petit temps en plus, mais en tout cas pour la fin de l'année. Cette année-ci. Voilà. Donc on a confirmé notre première décision de dire vous replantez la hêtraie comme ça avait été déterminé entre nous préalablement. Et on peut connaître l'espèce ? Je ne le retrouve pas, mais c'était la même chose que j'avais dit la fois passée. Que vous avez expliqué, je pense, que les hêtres n'étaient plus... Non, ce n'est pas des hêtres. Donc on allait replanter une autre espèce. Je n'ai plus d'espèce. Oui, c'est moins volumineux. Parce qu'on ne se souvient pas de ton figure. Ok. Je peux te le dire par mail, il n'y a pas de problème. Mais de mémoire, je... Voilà. C'est gentil, merci. Ça va ? Voilà. Alors, concernant Balbrière, mon premier rappel, petit rappel, le premier constat, effectivement, date du 8 avril 2021. On a fait un avertissement préalable le 21 avril 2021. On a enregistré la demande de permis le 2 du 12 2021. Il faut savoir que ce permis fait l'objet d'un décret voirie. Donc, j'expliquais pourquoi. Donc, les délais sont suspendus dans l'attente que ce point passe au conseil communal et qu'il y ait la publicité, évidemment, autour de la délibération. Alors, concernant le volet voirie qui doit être complété, il faut savoir, premièrement, que le tracé de la voirie initialement qui traversait la ferme, a été modifié par une décision du conseil communal de 1900, il y a très longtemps, qui actait que la voirie passerait à côté de la ferme de Pinchard selon un tracé droit, rejoignant le chemin du Griffon au travers de ce qui est devenu maintenant la zone extérieure d'accueil d'hiver. Donc la route devait passer sur le parking anciennement, qui était le parking de l'ancien propriétaire, le parking des chantiers. Lors de la vente de la ferme, la ville avait demandé que cette question soit réglée dans le cadre de cette cession de biens, soit en déplaçant la route pour la placer dans la situation de droit, soit en modifiant la situation de droit pour la déplacer à nouveau sur l'assiette du passage actuel qui contourne la ferme. C'est cette piste donc les nouveaux acquéreurs ont finalement choisi de se placer, ce qui a entraîné un volet décret voirie dans leur demande de permis de régularisation et de transformation supplémentaire qui a été déclarée incomplète en partie pour les plans et en partie pour le volet voirie. Les demandeurs ont déposé les compléments pour le volet plan
une proposition de plan de voirie pour le volet voirie. Les services patrimoine et géomètres de la ville ont regardé ce plan de voirie, mais le service voirie a fait remarquer que les limites proposées n'étaient pas cohérentes avec les aménagements existants au niveau des fossés et caniveaux de reprise des eaux de pluie, des champs et des voiries. Il y a donc une réunion qui est organisée le 29 septembre dernier. Donc, service juridique, patrimoine, géomètre, voirie, urbanisme, pour déterminer les limites logiques de ce qui devrait être reconnu comme emprise du domaine public, surtout le trajet autour de la ferme, de sorte à obtenir une situation logique et claire après cette nouvelle procédure voirie pour ce cheminement qui a déjà été maintes fois déplacé dans l'histoire. Notre géomètre devait reprendre contact, ou repris contact avec le géomètre des demandeurs, afin de lui transmettre les données définies lors de la réunion du 29 septembre. Donc, une fois que ce plan de voirie sera corrigé, on va pouvoir redéfinir le délai de lancement de la procédure du permis d'urbanisme avec le volet voirie. Donc, maintenant, on est en contact, les géomètres sont en contact, pour bien déterminer le voirie autour de la ferme. On a un quart d'heure, donc ça en fait déjà 10 minutes de passer, rapidement peut-être. Mais moi, je voudrais remercier les Jevins de m'avoir bien expliqué la situation de la voirie, alors que ma question ne portait pas du tout sur la voirie, mais elle portait sur le terrain en zone verte qui se trouve à l'arrière et sur lequel se trouvent des constructions qui sont illégales, puisqu'elles sont en zone verte. Alors, vous semblez lier les deux, ouais, je ne sais pas très bien, moi. Je doute quand même que les deux soient liés. Hein. Ou bien alors, la voirie va passer au travers de la zone verte. Voilà, ce n'est pas clair, votre truc. Hein, c'est lié parce que la voirie devait passer sur la partie, initialement, normalement, ce qui était voté en 1900, voilà, il y a longtemps, sur le parking de l'ancien propriétaire de la ferme. Or, cette voirie n'a jamais été correctement dessinée puisqu'elle est un peu plus loin. Et donc soit on repart sur le parking, soit on maintient la disposition actuelle de la voirie. Si les demandeurs souhaiteraient garder la disposition actuelle de la voirie, et donc il faut passer au décret voirie. Je suppose que c'est un seul permis qu'ils ont demandé, et donc c'est pour ça que Jacob vous explique ça. Régulariser la voirie, régulariser les constructions, régulariser l'espace vert, enfin, tout ce qui a été fait même au sein de la ferme, voilà. Moi, si je vous pose tout ça dans le dossier, si je vous pose la question, voilà. C'est parce que je connais certains propriétaires qui ont des beaux terrains en zone verte en front de voirie et qui pourraient également les valoriser en autorisant des constructions de yurts, des roulottes, etc. Ça vaut le coup, hein, on peut rentabiliser son terrain facilement, mais c'est illégal. Alors, à partir du moment où c'est... Pourquoi serait-ce légal? Ça n'est pas légal, puisque il y a une demande de régularisation qui est en cours. Le permis est en cours. Attendons le résultat de cette demande de permis, de l'enquête publique qui va suivre. À ce stade-ci, nous avons fait les démarches nécessaires, à savoir signaler que ça n'était pas correct sans permis. Ils ont eu des avertissements. Ils rendent un permis. Analysons maintenant ce permis et on verra après par la suite comment la procédure s'en manchera. C'est conjoint. La régularisation des logements et de la voirie se font d'un seul tenant dans le même permis. Vous en reparlerez si vous n'êtes pas convaincu. Je vous propose de prendre les deux dernières... Et en même temps, les deux dernières questions nécessitent-elles une réponse? Elles s'adressaient principalement à les chemins de la mobilité. Je vous laisse répondre rapidement. Oui, ça. Couverture, donc le... Je vais voir pour l'attaque, là. C'est entre Carrette et le pont, hein. Juste sur la rampe de droite. Entre Carrette et le pont, hein. C'est ça? C'est sous le pont du chemin de fer, en voirie. Oui. C'est là qu'il y a deux tacs. Pour moi, ce sont des tacs proximus, c'est du tirage de câbles. Je vais bien. Fibre optique. Donc je me renseignerai exactement de ce que c'est et je ferai la remarque. Je suis d'accord avec vous, il fait du bruit. Et le remplacement des bancs, monsieur Leclerc? Le remplacement des bancs. Donc,
là, c'est vraiment pas de notre compétence, c'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire, et donc on va essayer de jouer les messieurs bons offices et madame bons offices. On verra ce qu'on peut faire. Okay. Si quelqu'un a de la place pour les stocker en attendant, il me le dit. Merci, on est juste au quart d'heure, donc je vous propose d'en rester là et de clore ici la partie publique de ce conseil. Donc merci à ceux qui y ont assisté et on passe à huis clos.